partie est maintenant là. Oui. Il est sous la carte coup gagnant. Et... Non, il n'y a plus la carte. Il n'y a plus la carte. Je la voyais encore, en fait. Ah, d'accord. Et en gros, en regardant un peu les maisons, vite fait, tu vois qu'il y a des petites têtes qui en ressortent, mais genre qui regardent curieux, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Un peu apeuré aussi, ouais. J'imagine. Ouais. Good. Alors. C'est con que je puisse pas faire le saut de là à là, sinon j'aurais lancé en direction de ce coup-là. Je regarde juste un petit gabarit, ça fait quoi? Ouais. Tu peux sauter avec un petit élan, mais... Non. Parce que si je fais l'élan, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça, un sprint, pour aller jusque-là lancer, et puis après c'est moi qui... Je vais me retrouver au milieu de la mêlée aussi. Je vais essayer de dégager le passage pour eux. Un lancer, c'est combien la portée? Ça risque d'être tout juste ouais, si tu me mets là. Et c'est à moins 4. À moins 4? Fais le saut sinon. Ouais, je vais faire le saut. Là, sauf, ça serait un petit jet d'athlétisme. À moins 12. Non, juste. Juste un jet d'athlétisme. Vérifie si j'ai pas le moins 1 pour ça. Non, c'est pour vigueur, agilité, force. Je vais t'autoriser du coup à sauter. Yep là. Oh le vieux. Parce que j'ai plus les règles du saut sous le nez. Mais je vais me rapprocher le plus possible, quitte à prendre un risque, pour relancer le machin. Un jet d'athlétisme pour lancer. Ouais, et je crois que t'auras pas trop de malus, ou je crois... Attends, je sais plus. 5, 10, la... 20. La portée. 5, 10, 20 pour un... Oui, pour un normal, c'est 5, 10, 20. Ok, bon... Oh, le chat. Tiens. Le chat, il proteste. Il faut nous laisser des... Il faut nous laisser plus de chance. Non, c'est... Ah bah. Je me dis, si j'arrive à faiblir ou dégager là, ils vont pouvoir aller aider ce coup-là. Donc vas-y, fais ton jet d'athlétisme pour le lancer. Je relance. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe si je lance mon truc et je fais défaillance mécanique au vol? Est-ce que ça se transforme en 4D8 grand gamin? Ça marchera juste pas. J'ai le droit de rêver. Ok, ça marche. Ça tu peux faire 3 fois 2D4. Du coup. 2D4, oui, pardon. Explosif. Ouais. 1, 2, 3. Alors. Mort, que dalle. Vous avez vu ce que je t'aurais mis? Attends, je meurs. Au secours. Qu'est-ce que tu fais, ce coup-là? J'étais pas là. C'est que eux. Je vais botter le cul à cette grognasse. Alors. Le dé, il est où? Il est là. Mais attends-moi. Combien de... c'est raté. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, attends, et d'ailleurs... Ah oh, bah tiens, non seulement c'est raté, mais en plus il y en a un qui, en fait, au moment d'atterrir, c'est juste latter la gueule à côté de toi. Il est au sol. Génial. Il est juste par terre. Ouais, okay. La première, bonk. La loose te protège. Celui-là qui est au sol ou celui-là? C'est celui en bas là. Je vais... Ça peut pas être celui en haut. Par... Bon, la loose te protège. Ah. Tu sais quoi? Je lance un dé pour savoir. La loose te protège. Chez. Je veux vraiment une photo de Ren avec une peinture au visage. Hein. Non, mais je crois que je vais lui peindre sur la gueule chez Braise. Ah, c'est son moment, oh loup, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Et non. Et là, attends, et non. Attends. Oui. Je veux claquer un béni parce que le 3, ça va pas le faire, là. Ah, d'accord. Moi aussi.
Mon dernier béni dégage. Et du coup, je tire ma carte. Je vais la tirer. Ouais, parce que je ne sais pas, de toute façon. Oh ! Ça va aller. Et moi, j'ouvre bien une autre carte. T'as tiré un béni, toi aussi ? Oui. Oui. Mais c'est mieux ! Ça change rien, mais c'est mieux ! Oh non, le pauvre ! Mais... Oh ! Donc, je vous ai dit, le loup, là, il a eu quelque chose. Mais... Il est passé de immobilisé à entravé. Fin du tour. Oh non, Loupi, t'as remis l'enregistrement ? Oui, je l'ai remis. Oui, d'accord. Juste pour savoir. Ah oui, bordel. Oh non. Vas-y, essaye. Essaye. Essaye, salope. Mais il retourne sur Agathe, le con. Il va retourner sur Silver, surtout. Agathe ou Silver, on verra bien. Du coup, on va commencer par Skoula qui va me faire un jet de... Attends, c'est contre... Âme. Ouais, âme. Mais c'est... attends, mais il faut déjà qu'il réussisse son sort. Je me souvenais plus de son dé. Hop, il est là. Donc, jet d'âme. Tu vas te faire... Ça marche bien. La loose et la moitié. Tu vas te faire foutre. Et ça sera sur Agathe et Agathe. Il va me faire un petit jet d'âme du couille. Je l'ai repossédé, je rachète. Non, c'est bon, elle va bien. Je vais mieux. Coula. Alors. Dis-moi, si j'essaye de me casser, sachant que lui est au sol, on s'en fout, mais tout ça, ça a des attaques d'opportunité. Alors, normalement, je vais pas à te le dire, mais la petite n'en aura pas. Lui en aura une, lui aussi. Lui, il a beau être, il est au sol, il en aura une, il est pas secoué, mais il aura un gros malus parce qu'il est au sol. Donc, t'as trois attaques d'opportunité, dont une avec malus. Bon, ça se tente. Si tu... La loose te protège. Je vais là. Enfin, j'essaye. Mais fais pas ça. Donc du coup, je te fais des jets. On va dire que c'est lui qui a le malus. Non, il fait pas lui. Alors, donc du coup, t'as combien de parades ? 5. Donc tu en as deux qui te touchent. Deux qui te loupent, pardon. Mais celui qui est au sol arrive à te toucher quand même. Je fais une balai. J'aurais dû lui marcher dessus. Bon, bon, par contre, il fait 3 de dégâts. Ouais, bon, c'est bien. Bah, je marche sur la gueule au passage. Ta gueule! En fait, il essaye de mordre et je lui mets un coup dans la tronche. Voilà. Ça fait pas de dégâts ni rien, c'est juste pour le spectacle. Et donc. Ouais. Alors. J'ai fait 8, donc ça n'est pas courir. Mm-hmm. Je vais faire une terreur sur la pute. Ouais. Et si ça ne marche pas, donc c'est une double action, je vais faire un sommeil. Ok. Donc c'est à moins 2. Oui, s'il te plaît. Bon, la loose n'est pas avec moi. Tant pis. On essaye quand même. Tant pis. Triste. T'en veux quoi, pauvre Vias ? Elle crie fort, donc je pense que ceux qui sont dans la maison à regarder, ils ont reconnu leur copine, hein. Ah oui. Mais je reconnais. Je reconnais, c'est ce que j'ai. Mais je reconnais. Wood. J'ai limite envie de faire pareil, encore construire un truc et puis le lancer autour d'après. T'as plus de lanterne. Est-ce que je peux shipper la lanterne d'Onyx ? Ouais, admettons, ouais. Bah, je vais faire ça. J'en ai mais besoin. Ça te comptera en action et tu devras seulement pouvoir la faire en... au prochain tour, du coup, à la construction. Ah, c'est malheureux. Parce que n'oublions pas que tu dois plus bouger ni faire aucune action. Quand tu... Si je dis Onyx, lance-moi ta lanterne et que j'attends mon tour. Non, mais c'est une perte de temps, papy. Onyx agit en dernier. Ouais. Est-ce que je fais le mec qui fonce dans le tas à la dague tout seul? Ça, on est d'accord, c'est une barrière, j'ai bien compris. Oui. Ouais, un mur de lumière. On peut tirer au travers.
Bah, tu peux essayer, mais ça sert pas. Non, voilà, faut la briser ou que ça passe à travers, quoi. J'aurais bien voulu tirer à l'arbalète, ça va. Non, je vais. Tu peux leur tirer dessus, c'est juste que la barrière servira d'armure. Bah, je vais essayer en mettant. Non, mais fais pas ça. Alors, je vais me mettre ici et tirer. Il y a une bestiole bien dangereuse ici. Bon, après, il y a des potes à côté quand même, faut faire gaffe. Mais sinon, il y a lui, hein, si tu veux rien risquer. Ou Fizzle sinon... qui a un trou de balle. Oui, je viens de penser qu'il y a Fizzle. Je vais tirer sur celui qui est sur Fizzle. Ok. Au rappel, si tu fais des attaques à distance sur un ennemi qui a quelqu'un adjacent, si tu rates et que le dé de compétence fait 1, ça touche l'allié. Ouais, mais ça ne va pas arriver. Donc, je tire. À moins 2. Ça rate. Et en 3, ça va. Parce que je tire et je recharge et je tire. Fizzle. D'accord que du coup j'ai pas la vision sur cette salope. Maintenant qu'il y a la barrière de lumière. Bah tu la vois mais. La barrière a passé. Moi je dis invoque ton loup pour le machin qui a ton cul. Je sais. Mais je me dis qu'elle va peut-être, vu que je suppose qu'on a entendu ce coup-là de là où on est. En fait, je vais mourir. Je veux faire en sorte qu'elle se. Que le sort. Je vais retenir mon tour. Ok. Agathe, retourne au moment, fils de merde. Vas-y, bute la saloperie par terre. C'est bien. Bute-la, la connasse. Ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué à buter. Ouhou. Moi, je crois que non, mais... il va juste péter le mur. Bah, t'attendras ton tour, quand même. Ah non, mais moi, je suis en train de réfléchir. Je me dis qu'il va péter le mur. Alors, ce coup-là... Quoi, ce coup-là? Mais elle a déjà joué ce coup-là. Ah non, mais c'est l'autre qui m'attaque. Elle attaque. Elle tente de casser un sort. Oui. Je tente de le décaster. Vas-y. J'y mets le truc de distance. Tu le décasteras pas. Alors. Ce coup-là, 9 dégâts. Sauf ça, vraiment. Ça me fait une blessure. Je réduis même pas son. Ouais. T'as combien de résistance déjà? Bah, 4, vu que j'ai perdu un dé de vigueur. Donc, ouais, ça te fait qu'une blessure. Aïe. Et je rappelle aussi qu'elle a une sorte de voile autour d'elle que tu peux considérer comme magique. Tu peux aussi essayer de décaster ça. Ouais. Ma lumière, ça l'a pas dissipée, cette merde. Mais étant donné... ouais, mais étant donné que... j'ai pas dit que ça marchait. Ouais, étant donné que j'ai dit que je décastais pas ça. Prochain tour, je lui décaste sa mère. Ouais. Non, ça les fait. Moi, je sais pas ce que je vais faire au prochain tour parce qu'en fait, j'ai plus de PP donc. Voilà. Tu peux pas utiliser la carte pour toi? Non, j'ai déjà utilisé une carte. Qui a servi à rien parce que je me jeu à chier les règles. Excuse-moi, là, j'ai le seum. Hein. Bah, en attendant, les deux t'attaquent, les deux t'ont touché, mais les deux t'ont fait rien du tout. Et lui donne, putain! Fais quelque chose. Merci, Eludon. On te réinvitera. Ruru ? Ouais, oui. Ah, il a combien de parades, le Onyx ? T'as aussi bougé la petite croix de loup. Ah, merde. Ouais, c'est pas grave. Onyx est secoué.
Les deux licornes. Elles essayent de toujours d'utiliser leur magie, mais n'y arrivent pas. À mon avis, Golden, tu vas peut-être devoir utiliser le... Enchant amoureux. Non, c'est Lucky, il a le dernier carré pour éviter que tout le monde... pour enlever le secouet de tout le monde. Ok. Ah, c'est juste que moi, je vois pas les cartes. Je vois pas les cartes de... Mais actualise. Oh, mais la gueule. Mais non, mais même quand j'actualise, à chaque fois qu'on joue, les cartes de Lucky, je n'arrive pas à les voir quand on est tous connectés. Bah moi aussi, mais quand j'actualise, ça remarche. Moi, bizarrement, peut-être qu'ici, ça va aller, mais la plupart du temps... Avec contrôle et F5. Ah. School Rose, du coup, a vaporisé l'ombre qu'il y avait derrière Fizzle. Oh, mais quelle yes. femme. Silver. Bla, il va juste... Il court comme un dératé sans faire attention au mur et comme pour le péter. Bah du coup, je vais prendre le mur. Je peux pas le péter. Bah avec un coup de marteau, mais si vu comment que tu me décris la chose, t'as l'air de foncer dedans et juste foncer dedans comme ça. Oui, bah je vais prendre un coup de marteau, quoi. Mettre un coup de marteau et essayer d'arriver au contact des deux autres, quoi. Allez, coup de marteau. Ça, tout ça. Forcé. Oui. Un jet de combat, puis les dégâts sans prendre en compte les explosions. Allez, putain, c'est un peu... Ah, voilà, maintenant ça fonctionne. J'ai dû réactualiser encore deux fois. Non, c'est pour ça que ça marche pas, insiste. Voilà, si ça fonctionne pas la première fois ou la deuxième fois, essayez 50 fois. En attendant, ça a marché. Oui. Non, mais j'ai oublié les dégâts. Juste, ça m'a fait rire. Plus 2 si je ne m'abuse d'ailleurs. Oui. 10. Donc, tu pètes la barrière. Ce que tu entendras derrière. Ah bah, tu pouvais me le demander, c'est non, hein. Je l'aurais retiré. Silver ne répond pas. Silver, il répond pas, il arrive au contact des deux autres. Okay. Oh, non, Silver et la barrière. Silver, il est enragé, donc niveau réflexion. Mais Silver devient la barrière. Onyx se restab, attaque et rate. Nouveau tour. Silver. Ah. J'attaque les deux. Tu pourras en attaquer qu'une. Pourquoi? Vu comment c'est foutu, tu pourras en attaquer qu'une. Une seule? Sauf si tu bousilles la première et que t'arrives à... Enfin, tu peux faire une double action pour essayer de taper la première et la deuxième, mais si tu arrives à tuer la première, tu pourras taper la deuxième. Bah écoute, on va faire ça. Vas-y, donc ton jet de combat, bah du coup, moins 2, plus 2, plus ton... Ouais. Plus 1. Plus 1, du coup. Dès que ma fiche arrêtera de laguer. Donc plus 1 avec le fauchon. Ça touche. Kowabunga. Bon bah tu peux faire le deuxième jet de dégâts. Enfin, le deuxième jet de combat, ouais. Et de dégâts. Kawabunga. Il n'y a plus de licorne. Voilà. Et il va regueuler à l'intention de l'autre, juste en mode... Ah! C'est ça. Enfin! Il s'est désenchevêtré! Wow! J'ai gagné! Et il peut pas bouger, parce qu'il vient de se désenchevêtrer. Si, il peut bouger techniquement. Ah, on a perdu quelqu'un. Ah, c'est pas un... Ah, c'est pas un joueur. Et Ludon, c'est ton moment. Oh yeah, oui. Je vais mieux. Yes, enfin. Vas-y, Ludon. Pète-lui la gueule.
Là, attends, j'avais mis quoi comme dé, ouais. Il rate son sort. Douiller sa mère. Donc, Wood. C'est pas un fumble. Bien. Je vais être dans l'obligation de dégainer ma dague et taper au cac parce que recharger et tirer au bout portant avec une arbalète. Bah ouais. Est-ce que j'ai un malus du coup de dégainer et frapper, il me semble. Non. Pas avec non. Non, non, t'as le droit à deux actions gratuites de dégaine rengaine. Je tape dessus, ya. Yeah. Ouah, ça loupe. Incroyable. Meilleur tour de ma vie. Rose qui... Je crois que je vais la faire courir parce qu'il n'y a pas sa sœur à côté d'elle et elle s'inquiète. Et je pense qu'elle va faire un petit sort en plus. Ouais, elle va faire ça. Rater son sort du coup, mais hop, hop. Tac, tac. Pardon, pardon, pardon. Score. Et son va pas même. Toute seule. Ouais. Ok, à mon tour. À mon tour, je vais faire une double action. Je vais m'avancer déjà un peu. Puis je vais en premier lieu tenter de décaster sa putain de protection magique de merde de ses couilles. À la salope. Et la deuxième, ça va être d'invoquer ma bestiole à ce niveau-là. À côté de ce coup-là. Donc, le premier sort à moi deux. Peut contrer tout pouvoir. Ah oui, c'est pour le deuxième cas où c'est... donc je contre techniquement son pouvoir. Dissipation. Ah non, c'est un jet opposé d'arcane. Rennes. Oui, mais deux secondes, je relis. Ok. Ok, bah vas-y, c'est contre son jet d'arcane. Alors. Du coup, j'ai fait 6. D'accord. Et du coup, la deuxième, sachant que je l'invoque avec avec la force en plus. Ok. Donc j'invoque ma bestiole. Ici. Avec les dégâts supplémentaires. Et c'est à son tour. Et à son tour, elle va s'attaquer aux bestioles qui sont... Parce que celle-là, elle est droite, c'est ça, la licorne, là, elle est en l'air. Elle est en l'air, ouais. Ok, bah elle va s'attaquer aux bestioles qui attaquent ce coup-là. Tac. Attaque sauvage. Non, pas plus 25. C'est un petit 6, ça touche? Oui. Ok. Allez. Pas pu. Voilà, c'est bien toutou. Ok. Et... Ok. Du coup... Avant que ce ne soit le tour d'Onyx, il y a un énorme faisceau de lumière qui arrive ici. Non, pas ma sœur ! Ça peut pas être un peu plus vers le haut ? Et qui zingue ça ?
ça, 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 ça. Sans toucher la sœur. Yes, c'est le padre. C'est tout de miracle. C'est la lance de la muerte. C'est la lance de la muerte. Pour ceux qui sont derrière, perception. Bah, je ne suis pas là. C'est des breakers, quoi. Qui sait? Le penchant amoureux sur des breakers sans qu'on le sache. Qui l'a fait? Je fais perception, moi, ou pas? Non, non. Fizzle et Golden, cette magie venait de derrière. Oui. Je vous mets pas le token, mais c'est pas, ça se passe par ici. Et c'est, vous voyez, en contre-jour, la silhouette d'une licorne. Les crins au vent. La Scoula du futur. La Scoula du futur. La description que vous avez faite ce coup-là par rapport à la loose de la muerte correspond en tout cas. Ah tu vois Silver, c'est pas des carabistouilles. Silver ne l'a pas vu. Mais donc Silver ne l'a pas vu. Silver, il n'a pas vu. Silver ne croit que ce qu'il voit. Pour l'instant, il n'a pas vu. Léonix. Zap le machin qui clapse, qui clams. Et il y en a plus. Eh bien. Elle veut se la jouer comme ça. Pardon, pourquoi je la fais parler comme ça, celle-là? Elle veut se la jouer comme ça, celle-là. Hop là. C'est à moi que tu parles. Tu vas pas être dessous. C'est à moi que tu parles, Katin. C'est à moi que tu parles, Katin. Alors, ouf. Je vais y avoir mal. Bon. On va douiller. Wood et lui donne Agathe et Fizzle. Ça va picoter un petit peu. Juste on va commencer par... elle a fait un sort d'explosion derrière. Ah. Wood. Je vais mourir. On peut pas l'esquiver. Non, les explosions... Non. Il me semble que c'est les grenades qu'on peut, parce que c'est un sort en zone. Wood, c'est 16. Zone. Wood. Je calcule. 2,5, donc 2 blessures escouées. Invite à tirer du coup sur, sur la table des blessures. Fizzle. 15, 20 dégâts. Les jambes. Colonel. 15 dégâts. 20. Quoi? 20 dégâts. Fizzle est mort. Ouais, parce que voilà. Ça fait 16. Ça fait 4 blessures. Colonel, mes jambes. 15 blessures, ça fait 3. Attends. Tu me dis que je prends 20, j'ai 4 de résistance. Je prends ouais, 16. Ça, oui, bah, ça fait 4 blessures, donc le jet de vigueur. Avant ou après avoir pris les blessures? Bah après. 3 blessures. Jet de vigueur. J'y crois pas trop. Ouf. Tu t'en sors. Respirez, madame, ça va bien se passer. Alors, je regarde juste que je confonde pas, mais techniquement, tu t'en sors bien. Ah, salope. Bon, il me semble qu'en cas de succès, tu auras une blessure jusqu'à ce que tu guérisses de toutes tes blessures. Mais tu es stabilisé en tout cas. D'accord. Je suis conscient ou pas que... Non, tu es inconscient, incapacité, au sol. Agathe, elle s'est prise 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça lui fait 2 blessures. J'ai pas mis son. Ah. Et lui donne lui. Aïe aïe aïe. Qui est un extra. Non. Mais tu saoules. Mais désolé. Oh.
Non, mais attends, le répéter pour remettre tout. S'il te plaît, je suis en train de calculer. Ah, zut. Elle veut, c'est bon. Non, mais je suis d'accord, mais t'es pas obligé de te réjouir à chaque fois qu'un PNJ meurt. Mais je lui ai jamais dit que je me réjouissais. Statifié, tout simplement. Il est au sol et en plein... Comment on appelle ça? En hémorragie. Ma bestiole, elle reste où? Il faut que je fasse un jet d'intellect pour qu'elle reste là. Bonne question, ça. Si tu dois le maintenir ou pas... je vais regarder vite fait. Alors, tac, tac, tac... Moi, je prends en compte que je l'ai donné comme ordre, sinon, de protéger ce coup-là. Donc, s'il reste, il va juste rester à côté de ce coup-là. Écoute, je vois rien là-dessus. Ça a peut-être changé depuis, donc il restera maintenu le temps de le temps du sort. Skoula, c'est à toi. Bien. Super. Bah, je me dessous pas. Attends, c'est peut-être un bug. J'ai plus de béni. Ouais, bah du coup c'était pas un bug, il paraît. Bah, j'ai 0-0 moi, mais. Oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai bien vu que c'était 2 et 2, ouais. Tu peux toujours bouger, cela dit. Je peux claquer ma conviction pour me restab ou ça marche pas? Ça marche pas comme ça, non. Mais tu peux claquer ta conviction pour ajouter un des 6 sur l'âme, mais ça peut être risqué. Quand même que ton D6 fasse 4 du coup. Oui, bah écoute, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Do it, la loose. Ça valait le coup d'y croire. J'allais supprimer ce coup-là. Alors celui-là. Il rate. Y a d'autres. Ben non, y a plus grand chose d'autre. Ah, ben déjà, y a plus de. Ah, si, il restait une licorne, je l'avais oublié. Ah, il y avait un terrestre là aussi. Bon, on va dire qu'il était pas là parce que je l'avais oublié. Et que cette licorne a été morte plus tard parce que j'ai oublié aussi. De toute façon, elle faisait plus rien. L'autre Pégase maintenant. La loose est vraiment avec toi pour le coup. Agathe Power. Elle peut essayer de sauver Ludon, non? Ouais, ce qu'elle va faire déjà, c'est stabiliser. Non, elle est déjà stabilisée, donc tu n'es plus incapacité Fizzle. Puis elle va. Oh! Et elle va stabiliser Ludon. Donc il est toujours parfait. Inconscient, mais il n'est plus en danger. Et c'est un nouveau tour. On va jouer. Je vais tout. Oh! Ouh, Agathe! Agathe, elle va soigner tout le monde là. Les zéros ne meurent jamais. Heroes never die. Alors, ça c'est raté, mais soignera une autre blessure à Fizzle. Merci. Et lui donne, ça va. Et puis donc ça voilà. Oula, il te loupe. Onyx qui va courir. En fait, il n'y a même pas besoin de courir. Ouh.
touche pas ma femme. Pas touche. Bah juste secouer la bébête. School. Là. Bah je retente de me stabiliser. Bah je n'y arrive pas. Cette bébête va tenter de se restab. Oh, raté. Fizzle. Ouais, je vais retenter ça. Je vais faire une double action. Première action, me soigner. Deuxième action, lui décaster son truc. Parce que ça me saoule de, que ça soit casté. Vas-y. Hop là. Et on y croit. Bon, tant pis. Le soin marchera pas. Mais le décast marchera pas non plus. Winter Silver. Alors. Contact. Voilà. Oh toi salope. Alors rappel, elle vole. Je fais 2 mètres de haut, je peux peut-être l'attraper, non? Bah non, elle vole genre à 4-5 mètres. Descends de là, salope, que je te tape. Je la provoque. Provoque non, mais intimidation tu peux en enragement. Viens là, salope. Elle va avoir peur, elle va s'envoler encore plus haut. Tu veux l'intimider? Ok. Alors. Descends, viens ici que je te bute, enculé. Flip. C'est à quoi elle répondra. Dégage mes crayons. Mes crayons, c'est Bort. S'appelle Bort, c'est ça. Du coup, sortez les lapins, elle aura peur. Les lapins adultes. Allô. Oula, ressaisis-toi. Elle va essayer de t'aider. Oh non. Skoula, c'est pas comme ça qu'on t'a appris, bouge ton cul! Skoula, tu auras un bonus de plus 2 sur ton jet de d'âme pour te stabiliser. Et de ce côté-là, ce que je vais faire, c'est ça. Je relis juste un truc. J'y pense, même si je suis secouée, je peux parler ou pas? Tu peux parler légèrement, ouais. Donc du coup, 5, 6, 7, 11, 11, 2... Attends. 2, ah oui, donc 44. Ok. Donc... lui mettre une lumière, celle-là. Ah bah, elle en a déjà une. Oh hop. Non, j'en étais sûre. Attention, ça va aller très vite. C'est qui ça? C'est Luminari. C'est Luminari. Ouh, c'est le Finseur. Ah, ah. Elle va juste arriver à toute vitesse, du coup. Wood. Je laisse Luminari faire. Bonjour. Non, mais rentre chez ta mère, laisse-nous la putain comment je... oh, ça me saoule. La satisfaction d'avoir réussi. La satisfaction d'avoir réussi. Je me dis ce coup. Bon. Sans Deus Ex Machina. Oui. C'était pas un Deus Ex pour le coup. Je me dis ce coup, je me déplace. Ah non, moi c'est 6 vu que je suis blessé.
Et d'ici, je vais essayer de tirer sur celle-là. Est-ce que j'utilise ma conviction? Ouais, je vais utiliser ma conviction en plus. Est-ce qu'on ne serait pas un carte renfort? Ah oui, je pense que c'est une bonne idée. Pro 13. Oh la gueule. Easy. Ça sert à rien, mais je le mets quand même. J'ai lancé pour rien ma conviction. Bon bah... Slash R, 1D6. Ça marche pas pour les dégâts, ça marche soit sur les 13, soit les dégâts, pas les deux. Ok. Bah je vais laisser, j'ai envie d'utiliser mon béni pour relancer les dégâts limite. Non, je vais garder mon béni. Ok, du coup, 7, 8... Même 12 points de dégâts, c'est déjà ça. 12 dégâts perçus armure 2. Attends, ça je peux fermer. Ça je garde encore. Mood qui va gueuler un truc avec un accent à cause de la blessure, il est énervé. Alors, je vais 12, ça va la secouer pour le coup. Déjà ça. Est-ce qu'elle retombe par terre? Non. Salope. Alors le jet de la madame réussit. Et donc Silver, tu es quand même dangereux. Elle va se reculer en vol. Attends, je vais la remettre là pour faire le déplacement. Ici. Te tirer dessus. Viens te battre, salope. 10, 15, 16, 17. 17 dégâts. Ouais, donc à 10 de résistance. Ça fait 7. Ça fait combien de blessures? Excuse-moi. J'ai 10 de résistance. Ça te fait une blessure. Ok. Uno blessureau. Attends. Paf, là il y a marqué niveau de fatigue, donc ça doit être ici. 2 heures de combat, Silver a enfin une blessure. Bah il a fallu le temps. Hein. Silver le tank. C'est clair. Heureusement que Silver n'a pas une attaque à distance parce que ce serait tellement craqué quoi. Genre pendant qu'il court vers l'ennemi, il peut tirer, il leur tire dans la gueule et quand les ennemis arrivent au contact, Silver. C'est top. Sur l'armure. Ah. Ils ont pas attaqué. Bah, l'ombre à côté n'a pas réussi à se restabiliser. Okay. Il va nous lancer son marteau là. Ah là, Silver il arrive et son but c'est. Il va essayer de la choper hein. Elle vole trop haut. Je peux pas ramasser genre une pierre et lui balancer dans la tête? Ça tu peux. Bah je vais faire ça oui. Donc tu me fais un jet d'athlétisme à moins 2. Athlétisme, moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que c'est une arme improvisée. Ah d'accord. 2, je l'ai dit. En raté. Descends de là, salope! Fizzle. Fizzle va voir qu'elle se barre. Et elle va foncer. Et elle va foncer. Tac. Puis tenter de lui tirer dessus. Un tel fois 2, donc j'ai la portée. Je vais y mettre full dégâts.
Ah non, c'est plus de modificateurs de dégâts, donc je ne peux pas le faire. Je peux pas mettre plus de dégâts. Bah écoute, je vais faire ça. Ouh, attends. Ou sinon, je peux tenter. Attends, un tel. Attends, il me faut un gabarit moyen. Ça me coûte combien de mana ça? Ça coûte 2 de mana, j'ai 2 de mana. Si je fais ça, je touche aussi. Non, c'est une mauvaise idée. Bonne et une mauvaise idée à la fois. Je vais juste lui tirer. Non. Elle est en l'air, t'es d'accord? Mm-hmm. Donc un ravage, ça la toucherait pas, même si si elle est dans le cône. Enfin, si elle est dans le. Bah si, justement. Si. Là, ça touche. Mm-hmm. Bon, par contre, je suis désolé, mais Silver, tu seras touché avec, hein. Bah c'est pas grave. Un détail. Ok. Ah, bah oui. Écoute, je vais faire ça. Silver, ils sont où? Normalement, le centre du cône est à 20 mètres. Limite, je peux même le déplacer un poil plus comme ça. Ok, bah je vais tenter ça. Je vais tenter un ravage. Fais donc. Et juste ça. Et on croise les doigts. Pardon, j'ai pas mis le moins 2. Ça marche pas. Non, s'il y a le moins 2. Il y a le moins 2 de malus. Marche pas. Bah, du coup, c'est un pp cassé. Et ma bestiole qui va aller taper celle-là. En total. Ça touche? Ou pas? Ça touche. Ça touche? Ok. Appuie la bébête. Reviens ici, salope. Reviens-toi là. Agathe va juste s'occuper et sécuriser et lui donne. Je vais les mettre hors combat, ces deux-là. Ok. Parfait. Au mieux. Scoula. Elle est toujours en l'air. Elle est toujours, ouais. Je vais là. Je sors ma rapière et je lui lance sur la gueule. En mode javelot. Ok. Mais, arme. Merde, mais non, je suis con. Faut que je fasse ma vigueur, enfin mon âme. Voilà, c'est bon. Donc je fais ce que j'ai dit. En plus, t'avais un plus 2. Oui, c'est que je l'ai mis. Et là, tu fais 48 points de dégâts. Je pense que je vais même pas toucher, ou alors que je vais toucher Silver. Je suis désolé. Silver. Alors attends, parce qu'il y a moins 2 sur le jet. Parce que c'est une arme improvisée. C'est une arme improvisée puisque tu l'utilises d'une mauvaise manière. Ouais, bah j'ai moins 4 quoi. C'est ça. Et c'est quoi le sort le... Enfin, moins 4 parce que c'est en portée moyenne. Je vais y arriver. C'est quoi le... Attends, j'ai moins 4. Oui. Parce que c'est une portée moyenne. En comptant ma blessure ou ma... Sans la compter. Super, donc j'ai moins 6. Bah laisse tomber, je suis pas déjà ça, vu ça, des... ça sert à rien. On a déjà vu des trucs plus improbables. Ouais, mais je suis d'accord avec Lupi, c'est un peu dangereux. C'est chaud, ouais. Elle risque de perdre sa rapière plus qu'autre chose, en fait. Perso, après, c'est pas mon perso qui m'inquiète, c'est pas grave. On veut juste tanker. Mais pourquoi t'as combien en athlétisme? J'ai un D6. Oui, donc 6 moins 6, au moins d'un miracle et qu'elle fasse une explosion multiple, ça va pas marcher. Oh, j'ai oublié ma lumière, attends. T'as une autre possibilité, sinon toujours avec... magiquement, c'est l'option lésiner sur les PP, mais ça reste une... J'ai plus de PP. Mais tu me laisses terminer ? Ça sert à rien. Cette action permet d'utiliser des sorts sans utiliser de PP,
Mais avec un malus égal au PP que tu es censé, utiliser. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'un échec est considéré comme un fumble. Enfin, donne les mêmes effets qu'un fumble. J'en forme juste. Oh, chat. Tu peux pas... Ah ben non, tu peux plus faire de sort. C'est... Attends, portée moyenne, 5 mètres. Une petite arme improvisée au lancer, la portée c'est... Ah pardon, je dis de la merde. C'est tout juste dans la portée courte. Parce que je comptais en case encore. Ah, je comptais en case, donc ouais, non, t'es tout juste dans la portée courte. Donc ça fait moins 4, pas moins 6. Bah du coup, moins 4 en comptant tes blessures, ouais. Du coup, juste moins 2. Ça le fait en vrai, hein. Mais en cas d'échec, si tu fais un 1 sur le dé de compétence, c'est Silver qui se la prend. Ça le fait. Oui. Ça le fait, Silver. Non, mais les gars, arrêtez de dire ça le fait, tu vas forcément te la bouffer. Et du coup, si je caste un sort avec ton machin là, ça fait combien? Un sort à 2 pp, il me reste. Un sort à 2 pp, ça te met moins 2 du coup sur le sort. Mais là où c'est dangereux, c'est en cas de rater, c'est un contre-coup dynamique. Mais vu qu'il lui reste un pp, c'est ça, j'ai entendu Lopi. Mm-hmm. Bah, du coup, dans ce cas-là, ça te ferait que moins 1. Moins tes blessures. Bon, alors sommeil sur la trouille. Ouais. Oh, ça passe! Yes! À moins 3, ça passe. La loot! C'est toi la loot. Ah, et juste avant, j'aurais dit. j'aurais gueulé avec tous mes poumons, mais je ne vais pas gueuler là parce que pour des raisons. Oui. Sortez, battez-vous pour la loot de la muerte! Bande de quoi? Alors, du coup. Ok, et ensuite, ok, elle tombe endormie et n'est pas réveillée par les dégâts de chute. Heureusement. Elle a toujours pas une blessure. Non. Elle a un épée armée. T'inquiète pas, Silver est devant. Ouais, mais bon, tu vas juste... J'avais oublié un détail, mais on va dire que c'est cadeau, parce que normalement, c'est vrai que t'es censé prendre des dégâts à son cac. Elle a un truc qui fait que. Mais on va dire que ça a été dissipé. Ouais, parce qu'avec tous les sorts de dissipation que je lui ai balancé sur la gueule, putain. Et surtout que j'ai oublié ce détail. Donc, la serrette énervée... Attends, j'ai oublié un truc. Ma deuxième blessure, j'ai pas tiré sur la table. Ah bah super. C'est ce qu'il me fallait, ça. Ton magnifique visage. Je suis devenu un vieux lama qui pue. Oh mais ça va, c'est pas permanent encore. J'espère. Tu seras badass. Tu auras une cicatrice à la... Waouh, trop bien l'effet du crâne, on dirait un vrai. C'est un vrai. Non mais merci, mais je m'en fous d'être badass, moi. Quand tu fais un perso social qui est maxé en persuasion, ça aide pas, là. Donc bon. Ah, et... Tu guéris de tes deux blessures et de ton magnifique visage. Qui, moi? Oui, Onyx te soigne. Oh, quel homme! Bah, il va les poser, hein. Ah, ah. Ça va être, ça va être un des époux de ce coup-là. Mais... bah, peut-être. Mon arbalète et je tire sur Onyx. Vole pas ma femme. Non, je rigole. J'avance jusque là. Et je suis à distance de combien pour tirer sur l'autre qui est au sol? Avec le puits qui gêne, ça va être compliqué, non, mais c'est pas... fait. Non, mais on va pas lui tirer dessus là. Elle est. Avance. Bah, j'ai avancé le max que je peux. Non, mais laisse tomber. Juste avance. J'ai avancé le max que je peux. Et... T'as fait l'allure? Oui. Parce qu'avec ma blessure, j'ai 3 d'allure. Avec mes deux blessures. Je vois pas ton jet d'allure. J'aurais pu faire un jet d'allure, en fait. Oui, mais je me suis déjà déplacé. Bah, c'est pas... C'est pas grave, ça fait 10 plus quelque chose. Voilà, hein. Je fais... Voilà. 2 mètres en plus. Si je me vais dans ce sens-là... Non, 8. Oui, mais j'ai déjà fait 6 mètres.
Là, dans ce sens-là. Ça va ? Mais il y a Silver devant, tu la vois même pas techniquement. Mmh, je sais, c'est mais compliqué là, ouais. On sait jamais, je pourrais toucher Silver. Il sait s'il est encore, il est encore possédé. Voilà. Non, je t'en prie, je finis mon tour. Je voulais juste lui faire peur. Il va juste se rapprocher, mais sans courir. Je regarde juste le nouveau tour pour voir qui agit avant. Onyx. Il aime vivre dangereusement. Il soigne la blessure de Silver. Rose qui arrive et qui gueule sur l'... Ah, quoique, je sais pas si elle va gueuler sur l'autre. Bah, elle l'a vu, elle. Elle l'a vu et... En fait, elle est en mode... Est-ce que ça serait pas... Ouais. Oh. Si c'est ça, je suis un peu déçu. Et je vous ai spoilé que non. Histoire de vous rassurer à la... J'avais oublié. Elle, non. En fait, elle va juste s'approcher et te regarder, toi, ce coup-là, un petit peu tout le monde. Et regarder les alentours, voir si tout est clean. Silver, je t'ai dit que t'avais guéri ta blessure, tu peux la retirer. Oui, alors ma fiche de perso est en train de bugger, donc 2 secondes. Je suis en train de recharger. Voilà, c'est bon. Voilà. Laisse-moi le temps. Silver va frapper des sabots sur la conne, là, par terre. Il la piétine. Est-ce que c'est dans un but de vouloir l'achever ou pas? Parce qu'en vrai, elle est free. C'est-à-dire que vous pouvez la tuer comme ça. Tu peux faire une fatalité. Enfonce-lui ton fauchon dans le cul. Je vais faire un jet d'intellect parce que j'ai pas envie de la tuer comme ça. J'ai envie de laisser le kill aux gens de la ville. Mais non, on va juste la capturer. Tu te calmes donc. Silver se calme et il se met de tout son poids sur la licorne. Dis donc pas que pendant qu'elles sont endormies. Ok. Bah en soi je vais mettre fin au combat. Non. Non. Je vais faire un truc pendant mon tour. Ah pendant ton tour. Pour la bloquer. En disant. Dans... Je vais me soigner. Et okay. Je vais me rapprocher. Ok, je te laisse faire ton jet le temps que ce coup-là fasse son action. Du coup, moi, je vais m'approcher, je sors ma rapière, et je vais dire, tu vas plus jamais invoquer tes ombres de merde, et je lui coupe la corne. Oh! Ah! Ah, c'est barbare, je vous avais prévenu. Hein. Ah bah, d'un autre côté, c'est barbare, mais d'un autre côté, tu la tues pas. Peut-être. Faut que je fasse un G, peut-être. C'est pas mal. Non, je le prends en considération. Ça serait contre un fumble, là, quand même. Je vais le prendre en compte. Donc sa corne sera coupée. Fais quand même des dégâts pour voir. La rapière, je sais pas. Attends, du coup je lance tout parce que je sais pas comment faire juste les dégâts. Oh. Pas mal. Alors, je vais prendre en compte quand même les 18 dégâts. Tac, là, je lui retire ça. Je retire ça fait. Et tac, ça lui fera 3 blessures. Ça tout en prendra plus jamais, ma famille! Elle est un peu. Je crois que c'est elle qui est enragée en fait. Arrêtez-la parce que. Silver, il va t'arrêter. Bah justement, elle aussi, calmez-vous. Moi, je non, mais t'inquiète-toi, Poufias! Calmate, ce coup-là, aïe. Je vais pas le faire, mais il est trop vieux. Skoula, vieux. Calme-toi! C'est calme fini. Si je veux! Calme-toi, c'est lâche fini! Moi. Et puis toi, t'es trop gentil, donne-moi cette rapière!
Non. Silver, il va empêcher de la tuer pour l'instant. Bah, calme-toi, tu vas la faire. Non. C'est bon, elle peut plus faire de magie, mais il faut savoir qu'est-ce que s'est passé. C'est peut-être pas la seule qui pourrait venir ici, on sait jamais. Elle pourrait avoir des informations. Après, on verra. D'abord les informations. Après, vous faites ce que vous voulez. Attache-la, on va la faire parler. On vire en mode... Elle tient encore, elle ? Non, elle recule juste et vous regarde faire. On est en train de virer comme des libérateurs. Tu veux un saut de corne, connasse ? Pardon, excusez-moi. On lui met 3 kilos de corde sur la gueule à l'autre, non, mais à l'autre connasse. Non, mais elle peut plus faire de magie. De... Quoi qu'il en soit, en tout cas, peu à peu, ça se dégrise autour de vous. Yes ! Vous sentez venir le coup duquel se réveille et dit qu'est-ce que je fais là ? Bon, j'en ai rien à foutre. Tu peux enlever mon orbe de lumière. Ah oui. Yep. Vous êtes blessé. Il n'y a plus de quoi vous soigner. Isol qui tente une énième fois de se soigner. N'oubliez pas, on a des bandages avec des onguents. Attends, mais il y a Onyx aussi qui peut aider. Ouais. Oui. Et vous, ça va ? En soi, il y en a plusieurs qui vont pouvoir soigner, donc je vais vous faire récupérer vos blessures. J'ai la flemme de faire tous les jets. Je traîne juste la patte, vu que c'était une blessure à la jambe. Bah, tu es soigné maintenant. Maintenant, je suis soigné. Et peu à peu, ça commence à sortir des maisons, en regardant ce qui se passe. Oh my god, ils sont tellement nombreux. Silver, il saucissonne l'autre, là, en attendant. Ouais, je pense que ça a été fait depuis le temps qu'on le dit. Oui. Oui, mais on saucissonne le saucisson. Et ce coup-là, pendant ce temps-là, elle est... Voilà. L'invasion. Oh L'invasion. Ça y est, ils vont tous crier sur Silver. Ça, elle est pleine de sang, ça doit être top. Pleine de sang et de bouillie de... Non, mais la magie, ça soigne le sang. Enfin, ça vire le sang. Dans un dessin animé, au moment où un câlin, le sang disparaît. C'est un dessin animé. Et un câlin, le sang disparaît. Skoulak est de retour. Ah bah là, Skoulak... Tu perds rien pour attendre toi, la famille. Écoute, elle saute dessus. C'est quoi, elle dit... Elle me dit ça à moi? Non, elle dit ça à la licorne en dessous. Là. Ah oui, elle te soulève après, enfin. Bon, elle pleure, mais sans son accent. Incroyable. Silver, il charge. Charge l'autre connasse sur son dos. Ah, je vérifie qu'elle fait rien, la salope. Bah, elle est endormie, inconsciente, en train de saigner de la corne. Non, mais t'inquiète, il faut juste cotériser la corne. Mais ça saigne pas une corne. Bah, ça dépend, on sait pas. L'intérieur d'un os, il y a des trucs un peu. Du nerf, hein. En fait, j'en sais rien, je sais même pas. Au bout d'un moment, ça va quand même te détacher, te lâcher un petit peu et serrer très fort Rose. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette pauvre? Ça n'en sait rien, elle est arrivée comme ça et elle nous a apporté des ombres. Heureusement que tu es arrivé, que la loose nous a protégés grâce à toi. Vous n'imaginez pas à quel point. Bah, c'est aussi grâce à mes amis et à Rose qui est venue me chercher. Plus de musique. Non, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique. Voilà. Musique de Lost de la Muerte ou quelque chose. Pour l'ambiance. Ah, attends, j'ai un thème pour ce coup-là. Oui. Il est temps. Le thème de ce coup-là. It's time! Good deal. Donc au bout d'un moment, ça se calmera quand même après de grosses étreintes. Tu nous présentes à tes amis? Ouais. Tu nous présentes à tes amis? Va falloir que je fasse ça. Lâcher, ouais. Ouais, faut que je bouge tous les pions maintenant. Je les avais triés par famille. Merde. Un peu d'inquiétude de la part de Silver, là, maintenant que tout est passé. Ça fait beaucoup de monde. S'ils sont tous comme ce coup-là, ça va être... Oh, ouais. Je ne te permets pas.
Non, s'ils sont tous comme ce coup-là, ça veut dire qu'ils sont tous absolument adorables. Oui, merci. Oui. Lèche-cul. Ils sont adorables, une fois que t'as mis des bouchons d'oreille. Alors, je vous présente Onyx, Faisal, Silver, je sais plus comment il s'appelle. Eludon. Eludon, qui vient de Servidas, qui avait entendu parler de la loose. Et puis Wood, et puis elle, je sais pas qui c'est. Ah, et Agathe. Bonjour. Tu entends juste ta sœur dire à ton autre sœur, va falloir qu'on cause tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait, moi? Pourquoi? Mais ce n'est pas tout. Sniff, je pleure. Pourquoi tu pleures? Le perso, il pleure, content qu'au moins on a réussi à sauver des gens et tout. Il y a une autre licorne qui arrive en courant, genre... Et bon, c'est réglé ici. C'est Isaac. Oh, non mais sérieusement. Sale chien, t'es mort. Enculé. Sale chien, t'es mort. Je sors mon arbalète. Attends. Il a risé. Il a osé. Sale pute! C'est lui! Non, pitié, dis-moi que c'est pas lui non plus! Je pense que c'est Griff ou... Non, c'est Gabriel. Ah oui, Gabriel. Je sais pas comment elle fait pour le ressusciter vu qu'il a été éparpillé en morceaux par les Timberwolves. Je vais hyperventiler. Respire, Skoula. Est-ce que Skoula hyperventile ou... Non, c'est moi là qui j'ai... je tremble. Respire. Chiant, mon gars. Non, mais c'est une blague. Je peux pas être juste tranquille dans ma famille sans qu'il y ait les connards qui squattent. Bon, visiblement. Quoi qu'il en soit, ça a l'air de discuter de leur côté. Oui, je vais faire comme si je les avais pas vus. Voilà. Est-ce que vous faites là? On m'a informé qu'il y a eu du grabuge ici, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. On vient de régler la situation. Ah. Parfait. Mais du coup, est-ce que je vois, moi, qu'il y a du grabuge? Qu'est-ce que tu peux voir, tu peux voir. Ah non, mais c'est une blague. Je vais pas me répéter constamment. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez. On va attendre ton compagnon que je puisse expliquer. Oh putain, il m'énerve. Jude. Non, pardon, je peux pas. Skoula? Skoula mort, madame? T'as osé. Regarde Skoula, et regarde... Qu'est-ce qu'il y a? Il ressemble pas à celui dont t'avais... Puis-je faire un jet d'âme, je... De ce que tu veux, c'est tes réactions. Je lance ma rapière. J'ai prévu le coup, j'ai essayé de la retenir. Non, mais non, bon, mais tu vas rien retenir du tout. Justement, ce que j'ai dit. Athlétisme contre athlétisme, du coup. Non, j'ai dit, laisse-moi finir. Pour le décorum, j'allais dire, il allait essayer de l'arrêter. Le seul problème, c'est que lui, il est arrivé en cours de route. Elle était déjà là. D'accord. Bah écoute, athlétisme alors. Et là, elle le tue. Tu peux faire les dégâts de la rapière, du coup. C'est un hologramme. Merde, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais là tu peux faire roll damage. Pardon. Oh nul, dommage. Donc il se prend une pointe, mais au plus au niveau de la cape, qui lui fait une petite griffure. Ok, pourquoi t'as fait ça ce coup-là? Et l'autre qui se met devant. Hé hey! Espèce de monstre! Cinglé! Trognafié! Il l'a fait! Il a ressuscité! Mais enfin, ce coup-là mort, calme-toi. Enfin, calmez-vous, madame. Tout va bien. Toi, calme-toi! Tais-toi! Elle essaye de sauter pour lui sauter dessus, hein. Elle se fait retenir par Fizzle et Bouddha. Oui, excuse-moi, Oscar. C'est pour et ça lui que donne je... aussi. Que et... je fais pas de G ni rien. Et Agathe. J'ai mal aux yeux. C'est pour imaginer la scène, hein. Silver va les pousser. Oui, non, il est...
La licorne s'en charge également. C'est pas l'envie qui manque ce coup-là, mais c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe ? Lâchez-moi ! Enfin, calmez-vous, madame. Madame Scoulamore, je... Le mec qui escalade. Avec tes conneries, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin que les créatures du chaos viennent rétablir l'équilibre, pauvre con ! Qu'est-ce que c'est ? Non, rien, juste que c'est un imbécile. Elle a dit, on a juste besoin, on n'a pas besoin de plus que les créatures du chaos pour rétablir l'équilibre. Bah non, mais en fait, avec ce qu'elle dit, c'est qu'avec ces conneries, ils vont être envahis par les créatures du chaos, vu qu'il n'y aura plus d'équilibre. Silver, il dit, vous avez quand même pas fait ça. Mais tu l'as devant toi, oui. S'il l'a fait. Et c'est mais pas s'il l'a fait, j'allais vu se faire dévorer par les loups. C'est pas l'envie de lâcher ce coup-là qui manque, c'est juste que... Ma désolée, Gabriel, c'est pas contre toi, je suis très heureuse de te revoir, mais quand même! Il sait pas trop où se mettre du coup. Mais meurt, il reste mort. Je m'adressais à lui, je pense que c'est mieux si tu repars. M'asseoir dans un coin. Attendre que ça se calme. Pauvre chou. Le pauvre... Oui, c'est Gabriel, Oscar. C'est pour ça que je suis en train de... Ah! J'arrive plus à parler. Et après, Silver, il s'interpose. Autant pour empêcher les autres de s'approcher que pour empêcher Skoula de s'approcher des autres. Elle va juste rendre la rapière. Mais à Fizzle. Ok. Elle lui redonnera quand elle sera calme. Enfin, vous lui redonnerez quand elle sera calme. Elle aurait pu la donner à Silver. Putain, je l'ai buté. Je peux pas le faire hautain, excuse-moi. Juste calme. Non, mais elle et lui, ils sont pareils. C'est bon. Ils ont la même gueule, en plus. Voilà, ça, c'est fait. Attends, je vais mettre un chiffre de sel encore. Là, j'en peux plus. Ah, mais là, il faut 3 milliards. Je suis au bout de ma life. Elle va regarder mal, les deux. Elle te regarde un peu avec interrogation, du coup. Sale merde. Tu reconnais l'armure des gardes de Galopa, par contre, Fizzle. D'accord. Donc, elle va rester énervée un moment. Puis, elle va se calmer au bout d'un moment. À bout d'un léger. T'es d'accord avec ce qu'il fait ? Vous êtes d'accord avec ce qu'il fait ? C'est quoi le truc qu'elle a ? C'est le symbole de Galopa. D'accord. C'est le symbole de la garde de Galopa. Ok. Je suis mitigé, à vrai dire. Mais c'est pas mon but de penser à tout ça. Ouais, c'est sûr, quand les gardes penseront à quelque chose, on le saura. Vous pouvez me lâcher, je suis calme. C'est quoi votre but ? Je la lâche. Mon but, c'est de chasser les ombres. Et dès que vous aurez terminé avec votre ami là-bas, je m'en chargerai moi-même. Non, on s'en occupe. D'abord, on a des questions à lui poser. Posez-lui les questions, je resterai jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle soit... Retourne chez toi, on t'a rien demandé. On s'occupe d'elle. C'est notre souci. Me débarrasser des ombres est fait partie de mon travail. C'est pour ça que vous étiez arrivé quasiment en retard et que c'est Duke des randoms qui sont arrivés avant. J'ai fait aussi vite que possible, monsieur. Vous pourrez ne pas forcément juger la durée du trajet. Lâchez-moi ! Casse-couille. Mais je t'ai lâché ? Oui, j'attends. Mais j'avais oublié, pardon. Du coup, est-ce que tu lui rends ça à Pierre ? Oui. Que j'en lance aussi. Il y a un truc très calme. Ah ! Non, elle va rapide. Donc, on ira la ramener chez nous une fois qu'on aura terminé. Oula. C'est bon, il y a des cahiers de calme. Viens pas me rénerver. Elle le fixe. Il te regarde sans trop dire un mot.
Et lui, il se cache un peu derrière. Alors, c'est bon, la science a avancé? Il hochera la tête. Donc maintenant, on va supprimer ce sort. Et faire en sorte que les gens ne l'utilisent pas. Vous avez bien vu que ça fonctionnait, c'est bien. Tais-toi! Mais non, je suis avec toi. Il parle! Et j'attends sa réponse. Aussi. J'appuie ton propos. Je n'ai pas besoin de faire d'autres essais. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu vas faire en sorte que personne ne l'utilise. C'est bien évidemment convenu. C'est bien évidemment convenu. Bien sûr. Et c'est là que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Bah, en tous les cas, t'es pas le premier à le connaître, ce sort, hein. Faites mention à Bright Hall, je suppose. Oui. Oui. Enfin, il dira feu Bright Hall, par contre. Non, non, elle est toujours vivante, t'inquiète pas. Elle est toujours là, Bright Hall. Il hausse un sourcil, un peu curieux. Non, vous aurez pas plus de détails. Soit. Si tu commences à ressusciter tout le monde, ça va complètement chambouler l'équilibre et après les créatures du chaos vont envahir notre univers. T'es content? C'est ça que tu veux? Ce qui va arriver. Tu connais l'équilibre ou pas? Parce que la science, c'est bien joli. Mais il y a tout le reste aussi. Quoi vous parlez? De choses qui dépassent mon entendement. Ça, c'est du scientifique alors qu'il connaît rien à la vie. Il connaît rien à la vie, c'est un truc que t'as appris il y a 2 minutes et que personne ne soupçonnait. Je m'en fous, laisse-moi. On l'a pas appris il y a 2 minutes. Il est plus supérieur à quelqu'un qui... Elle va... Faites en sorte... Elle va alterner le regard entre lui et du coup le griffon. Faites en sorte que ce soit l'unique fois que vous ayez eu à lancer le sort. C'est là qu'il l'a lancé sur d'autres... Allez surveiller la grognasse et la prisonnière. Très bien. Parce que... Et juste, du coup, il y aura cette licorne qui dira... Purple, je vais surveiller la prisonnière. Mais tu la touches pas! Je la toucherai pas. Casse-toi! Mais enfin, ce coup-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je vais la surveiller. Mais c'est pas son problème, c'est tout. Quand on a demandé de l'aide, on avait qu'à venir avant. Mais c'est vrai qu'elle a raison, elle vient d'un autre pays, elle venait d'ailleurs. Le trajet de Galopa est loin. Enfin, ça fait loin d'ici. Bref, les créatures du chaos, tu connais pas? Non. La bibliothécaire, c'est quoi? Eh ben voilà, la bibliothécaire, il venait d'une autre dimension. Et il y en a d'autres comme ça qui viennent pour rétablir l'équilibre dans les mondes. Sauf qu'avec le bordel que vous allez mettre, si ça continue, ben, on sera dans de beaux draps. C'est pas parce qu'il n'y a pas fait 30 000 études que je suis plus conne, hein. Faudrait aussi écouter les autres, un peu. Il a l'air de réfléchir, quand même. Je vais demander quand même un jet de persuasion. Oh là là. Est-ce que je fais... Ouais, c'est vrai que toi, t'as une relance gratuite. Ah, tu peux appuyer pour qu'on ait des bonus. Je vais appuyer... Oh, ben, bah, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser mon béni? Silver, tu veux appuyer? Ouais. J'aime bien, c'est pardonne que... pas à... les persuasions. Il pardonne pas à l'autre de l'avoir traité de bête de trait. Moi, j'aime bien comme il dit, il appuie la conversation en n'ayant rien dit. J'imagine, il a juste appuyé sur le sol, il s'est penché. J'appuie. Du coup, ça fait combien? Non, il peut juste le regarder. Ouais. Ça te fait un joli plus 4 rien que grâce à Wood. Silver, dommage, j'aurais dû faire le jet. Oh non, même pas, génial. Silver, très joli, rien. Il est là. Bah, c'est moins bien, mais c'est bien. Bah, de 3 seulement. Il regarde Wood, il regarde Silver, il te regarde toi. Des créatures du chaos, d'autres similaires aux bibliothécaires. Ouais, il y en a il déjà deux dans notre monde. Enfin, il y avait le bibliothécaire et il y a quelqu'un d'autre, mais il est sympa. C'est lui qui nous a dit tout ça. Vraiment? Oui, tu crois que j'ai le temps pour rigoler? Oui, qu'on a eu le temps. Mais jamais dit... Je n'ai pas dit que vous étiez là pour rigoler, je suis juste surpris d'apprendre ce genre d'informations. Bah si ça peut éviter d'en faire qu'à ta tête et faire n'importe quoi pour la science.
puisque visiblement personne peut t'arrêter parce que oh bah il a le droit de faire n'importe quoi. Et elle est salée, ça se comprend. Il l'a fait sans demander l'avis de personne. J'ai peur de qu'il ait fait d'autres tests avant, Gabriel. Oui, alors comment dire Bon. Maintenant, ouais. tu peux partir avec ta copine là. Mais Gabriel, il peut rester s'il veut. Et elle sourit gentiment à Gabriel. Bah, c'est à dire que je dois rester encore avec Purple, il doit me surveiller pour voir si tout va bien. Regard noir, regard gentil. C'est un peu en mode la main passe devant le, oui, devant le visage. La main se lève devant le visage. Baisse devant le visage. Et concernant la licorne qui a causé ce grabuge dans votre cité, nous ne partirons que lorsque nous serons sûrs qu'elle ne puisse causer de mal à personne, plus de tort à personne. Ah ouais, bien sûr, vous savez tout. C'est qui ? Au lieu de dire « Oh oui, bah, c'est des trucs, mais on va pas le dire. » On sait pas ce que c'est. Eh bah alors, qu'est-ce que vous saurez plus que nous en restant là ? Et comment vous avez su qu'il fallait venir ici ? On a entendu parler de problèmes. Disons que ma collègue a senti qu'il y avait un mal puissant qui arrivait. Bon, c'est bon, il parle toi avec lui, m'énerve. Viens, Gabriel, il avait été présenté à ma famille. Il regarde Purple, et puis Purple qui fait « Vas-y, je reste pas là. Je reste là, en tous les cas. » C'est bon, hein, t'es pas sans chien, t'as pas besoin de son avis. Hein. Je vais te présenter. Ah, c'est juste que je dois faire attention. Attention à quoi ? Bah, je sais, enfin, c'est lui qui doit faire attention si je vais vraiment bien. À la résurrection. S'il n'y a pas d'effet secondaire, qui m'a dit. D'accord. Bah t'inquiète, il va te surveiller. Et du coup, elle va lui présenter tout le monde. Même Agathe, avec qui... Regardez, c'est un nouveau membre de mon harem. Enfin, c'était le premier. Tu sais quoi ? Elle va même aller faire un câlin à Agathe. Voilà. Oh, d'accord. Bah, surprenant. On n'a pas toujours été copines, mais quand je constate les abrutis qu'il y a sur cette terre, je vais bien te pardonner. Silver, il va regarder à Purple, il dit « Vous avez pas tenté de ressusciter d'autres personnes ?» Non. Il a dit rien, Agathe ? Agathe qui sait pas trop où se mettre, bon, j'espère que qu'on s'entendra mieux à l'avenir. Mais ouais, yes, we saw. On pourra être copines. Et elle lui fait un sourire. Ça va, toi ? Un peu sonné, mais ça va. Tu vas t'asseoir ? Oui, il est déjà assis. Ok. Bon, du coup, hop. Et elle va présenter à Gabriel tout le monde. Un cruste pour rencontrer aussi. Elle a présenté un peu tout le monde. Et en fait, peu à peu, ça a l'air de s'agglutiner autour de Luminari. Et Fizzle fera pas de perception, peut-être toi et Woot vous pourriez, mais Silver il est encore un peu loin. Mm-hmm. Silver il va se mettre un peu à l'écart. Bah viens Silver. Oh là là, le vieux qui entend tout. Non, Silver là, il entend tout, il entend tout. Silver, c'est ce que ça parle, c'est ça ? Ouais. T'as pas besoin, toi t'es à côté. Ah oui, donc ce coup-là, tu entendras juste dire, enfin, tu entendras parler de l'ouze de Muerte, forcément, tout autour de là. Woot, tu entendras, mais c'est vous, etc. Et l'autre qui répondra, non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est pas elle. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? Le jeu l'a dit. Oui, non, mais c'est Fizzle, elle va le dire. Elle va dire, non, c'est pas elle. Comment ça peut être la loose de la Muerte si elle arrive en retard ? Elle arrive en retard et elle essaie de Toi, t'y connais rien, toi !
Ouais, tu dis n'importe quoi. Eh, vous arrêtez de galer sur ma copine. Squala. Quoi? Cara. D'accord. Alors, je m'y connais quand même assez. Parce que Skoula arrête pas de nous raconter les histoires. Mais t'as vu Skoula, tu crois que c'est elle ou pas? De quoi? La luz de la muerte, tu crois que c'est elle? Pourquoi ça serait elle? Elle lui fait... Fizzle fait non de la tête à Skoula. Non mais c'est Rose qui parle, je suppose. Un petit peu tout le monde en soi. Bah du coup elle dit pourquoi ça serait elle? Bah, elle correspond aux descriptions. Et alors? Lui aussi là-bas il fait de la lumière. Heureusement que c'est pas la luz de la muerte, hein. Et puis si c'était elle, elle le dirait tout simplement. Si elle vous dit que c'est pas elle, c'est que c'est pas elle. Ah, c'est la première fois que je viens ici. Oh, la déception de tous. Vous avez quel âge? 10 ans. Oh! J'ai 5 ans, moi! J'ai 5 ans, moi! J'ai 41 ans. Ouais, bah ça colle pas, hein. Si, ça colle. Non, ça colle. Non, ça colle pas. Ou alors elle serait venue à 11 ans. Ouais, non. Bah ça colle pas, hein. Faut réfléchir un peu, hein. Et forcément, ça perd un peu dans tes... Oh. Oh, bah on s'en fout, en fait. Bon, papa, maman! Il faudrait vous présenter... plus en détail le papa de Karing. Alors attends, c'est lequel le père? C'est lui, je crois. Non, c'est lui. Ah non, c'est lui. Tous, c'est la mère. Ils vont tous s'agglutiner autour et de lui. Et elle, c'est la mère. Ah. Il me disait bien que ce visage me rappelait quelque chose. J'allais voilà. Dire, il a pris un seul cri coup de vieux et que la moustache ne lui allait pas. Mais... Alors c'est vous qui avez éduqué cet énergumène? Je l'ai pas éduqué comme ça. Eh ben j'espère bien. Je l'aurais rencontré. Quel cochon sur mon profil. Je suis complètement d'accord. Aïe aïe aïe. Du coup il rigole, je suis complètement d'accord. Je lui aurais mis une sacrée calotte si je l'avais revu avant qu'il disparaisse. Ah, il a disparu en plus, sacré galopin celui-là! Non, il est décédé. Enfin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh. C'est pour ça que je suis parti à l'aventure, pour faire comme lui et rattraper entre guillemets le temps perdu. Je suis navré de l'attendre, monsieur. En merci. Tout cas, il y a des masques. Ouais, merci, c'est votre fille qui l'a fait, elle l'a fait très bien. Yantere! Yo! Il rit tous. Voilà. Tu vois, Constant quand je Silver, dis... il est dans un coin. Quand je dis que chez Skoula, c'est à celui qui gueule le plus fort. J'en peux plus. Ah oui, tant d'ailleurs, je vais vous mettre les images de la famille. Donc du coup, je dis repère, donc du coup, il faudra que je rechange ce qu'il a écrit dans son journal. Vous l'aviez donc grillé, lui et votre fille. En même temps, c'est pas compliqué. Il devait être un peu neuneux, votre fils. Ouais. Je crois un petit peu quand même. Ma faim. Ça reste triste ce qui lui est arrivé. Ouais, mais moi, il. Je pense pas qu'il aurait eu des regrets. Il avait l'air heureux. Juste. Je pense qu'il aurait eu un regret, c'est de pas pouvoir passer plus de temps avec votre fille, justement. Vu que ses lettres sont jamais arrivées. Ah bah oui, y'a pas de panneau. Oui, y'a pas de panneau. Que diriez-vous de rester pour quelques jours, au moins pour vous décontracter un peu et pour profiter de la ville et des fêtes? Ouais, je pourquoi pas. L'anniversaire, tout le monde a oublié. Et non, l'anniversaire de la fille qui arrive au bon moment. Ah ouais, c'est vrai. J'ai voulu te donner un cadeau en chemin, mais t'as pas voulu, t'étais pas de bonne humeur. Non, mais c'était pas le moment, mec. Oui, voilà. Mais justement, c'est pas le moment. Je vais avancer les choses. Ils prépareront une fête pendant que vous gérez la purple. Le purple, je vous dis n'importe quoi. L'autre, là. Ah non, mais moi, je l'approche même plus avec un bâton. Hein.
Je vais plutôt passer mon temps avec... Parle d'elle. Ah oui. Je passe mon temps avec Gabriel et Onyx et avec, à regarder la grognasse. Elle se réveille pas? Elle se réveillera au bout d'un moment quand même. Ah, l'interrogatoire. Non, je remercie Onyx avec un câlin. Moi, j'aurais... T'aurais quoi, Onyx, pardon? Je lui aurais fait un câlin pour le remercier de m'avoir soigné et tout. Et il te l'aurait rendu. C'est tout naturel. Bah ouais, mais bon. Merci quand même. Et le père aura quand même aussi invité le purple que t'aimes pas avec Gabriel et puis Luminari qui se sera présenté. Pas trop tôt. En même temps, tu l'as plus ou moins agressé. Enfin, je vous déplace juste le temps de l'interrogatoire. Juste, si Silver va pas bien, j'irai quand même le voir pour savoir. Silver, là, il est assis la tête entre les sabots. Hein. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je suis. Il va t'expliquer qu'il sait pas. Avec Purple qui est là et le sort de résurrection qui marche et qui a l'air de marcher sans problème, il sait pas ce qu'il doit faire. Bah, tu dois rien faire. Ben, il sait que c'est pas bien, mais en même temps, avec le reste de sa mère. Ressaisis-toi! Ne frappe pas! Quoi? Ton sac, c'est une idée de merde. Il a juste l'air triste là, Silver. Il sait pas quoi faire. Il est juste perdu. Tu crois qu'il n'y a pas non plus envie de revoir Karine de moi? Pas de raison. Tu crois qu'il n'y a pas envie de revoir les gens que la grognasse elle a tué de mon village? Si, t'as raison. Désolé. Tu crois que Monsieur Wood il veut pas revoir son fils et sa femme? Le temps que tu l'engueules, moi je vais aux toilettes. Je t'en prie. Je te petit patron. Silver, il aura l'air honteux. Mais du coup, elle lui fait un câlin. Désolé. C'est pas grave. Je pensais pas que ce serait si dur après aussi longtemps. Mais c'est jamais évident de perdre un être qu'on aime. Mais c'est pas une raison pour faire ce genre de conneries. Puis en plus, on sait pas si ça va être stable ou pas au long terme. Allez, viens, on doit interroger la grognasse. Ouais. Ça va me changer les idées. Qu'est-ce qu'il y a, Goldo? T'es fatigué? Bah, faut le dire. Bah, il est 1h du mat. Ah ouais. Oui. Bah, en même temps, c'est à cause qu'il y a eu un souci à la maison, donc... Bah... Ça a enlevé quoi, une demi-heure? Même pas. Si, presque 40 minutes, quand même. Alors, non, je fais pas. La grognasse qui grogne, limite elle aboirait presque en fait, mais bon, elle grogne juste. Il y a Fizzle qui a sa corne allumée et qui l'a pas entendu ce qu'a dit Loupi, excuse-moi. Je lui tape le museau si elle grogne hein, comme les chiens, écoute. Pchit avec de l'eau. Tente pas quelque... tente rien. Maintenant, tu vas nous dire tout ce que tu sais. T'es qui? Je suis la fille de Sombra, lâchez-moi et craignez mon courroux. Ouais, bah, ouais, la vérité. Dira. Du coup, je lui fous une tarte. Mais non, je l'ai dit en premier. Ah, baf. J'ai dit baf. La vérité, pas des affabulations. Tu peux pousser Onyx, s'il te plaît, un petit peu?
Agathe, elle vient pas? Si. Là, je vais la mettre aussi. Je laisse, par contre, le cerf profiter de... du village. Je vais tenter un petit truc. Je vais tenter de lui lancer un sort de... Je vais tenter un sort pour ressentir la magie, pour voir si elle est prise d'un... dans quelconque sort. Vas-y. T'es la seule à créer des ombres. Quoi, t'en sais rien? Je vais retenter. Je suis capable de ramener les... De contaminer ceux que je tue et les contrôler en ombre. Hein. Et pourquoi tu t'es attaqué à ma cité? On t'a rien fait? C'était qu'un simple test, et pourquoi... j'y arrive pas. Un simple test, et aussi pour essayer d'acquérir plus d'armées, pour ensuite récupérer mon royaume perdu. Mon héritage! Quel royaume perdu? L'Empire de Cristal. Tu pouvais pas juste y aller voir la reine? Pourquoi faut faire toujours les mauvais choix et être un connard? Elle rigole, je lui en fous une. Oh oui. Arrête de rire, Grandes! Vous le regretterez amèrement. Ouais, on le dira. On vous subirez ma colère! C'est comment pour subir ta colère, ta forme, connasse? Pardon pour vos oreilles. Je crois que j'en ai marre de ces putains PNJ de merde. Ren? J'utilise la carte pour récupérer tous mes points de mana. Oui, mais j'ai lu. Tu veux un intimidation? D'accord, du coup, c'est Golden qui l'a, du coup, si tu veux bien la poser. Non. Comme ça, je récupère tous mes PP. Et je peux continuer à caster mes sorts. Avant que j'utilise la carte, biche. Tape de la carte dessus. Voilà. Du coup, tu veux un intimidation, Pour le timing? Oui, vas-y, fais. Non, je pense pas que ça va faire quelque chose. Voilà. Mais bon, d'accord, les jets de ouf. Vous pourrez me faire taire, mais jamais vous me ferez taire. J'ai pas de phrase classe, dommage. Est-ce qu'elle est sous l'emprise d'un sort? Non. D'accord. Donc elle dit la vérité. Ou en tout cas, ce qu'elle pense être la vérité. C'est ça. Physique qui va soupirer. Et elle est pas sous l'emprise d'un sort. Est-ce que j'ai récupéré un peu de mon mana ou pas? Je veux bien prendre en compte que t'as récupéré 5 points de mana. Alors je vais lui faire une terreur. Parce qu'elle me casse les couilles. Mais... Ah! C'est que ça vous... Attends, je me suis chié. Ok, le D20. Alors. Je suis désolée pour la ta gueule. Je crois que j'ai crié avec ce coup-là. Ah ouais, non, il s'est. Je crois que je suis. Il était beau. J'aime pas cette relation, je crois, des PNJ de merde. Ren? Deux secondes. Ouais, vas-y, pardon. Juste toi, putain, bon. Mais... Voilà. Alors. Ok, bah tu... elle aurait été rendue vulnérable. Par la terreur. Et donc oui, Fizzle ? RP parlant. Est-ce qu'elle porte des vêtements sur elle ? Non. Et tu disais ce coup-là, j'ai pas entendu. RP parlant, ça donne quoi? Parce que soit vulnérable, je m'en fous, en fait. Elle a une très légère panique et... Puis en soi, ça va peut-être pas changer grand-chose, puisqu'elle est immobilisée. Oui, mais ça... Mais elle a l'air d'avoir quand même subi de ton sort que... Elle est pas à l'aise. Elle essaie de pas le montrer, ce qui est compliqué. Et
pourquoi ça serait ton pays ou je sais pas quoi. Et mon héritage. Mon héritage de quoi? Il appartient à la reine Chrysalis. Tu es sa fille peut-être? Le royaume était censé appartenir à mon père, son bras. Ouais bah il l'était pas. C'est qu'il y a une raison, non? D'ailleurs, c'est pas possible, parce que son bras, il est mort il y a je sais pas combien de temps. Oh, t'as pas l'air si vieille, hein. On va nous faire gober ça. Tu peux pas être vraiment la fille de son bras, son bras est vous mort. Vous remettez mon arbre généalogique en doute? Ah bah oui, totalement, oui. Attendez, calmez-vous un instant. Ton arbre généalogique, t'as une preuve tangible? Et c'est qui ta mère? C'est Célestia, peut-être? Oui. Alors justement... Non, c'est Chrysalis. Oh! J'ai jamais connu ma mère! Bah alors, comment tu peux le prouver? Son bras, c'est mon père! Ouais, mon père! Il est mort! Mon père, c'est Ardelette! Mais justement, t'arrêtes pas de dire ça, mais tu pourrais très bien le prouver. Ou alors, c'est juste des foutaises, je suis désolé. C'est ma parole contre la vôtre. Bah oui, alors pourquoi tu te plains qu'on te croit pas? Il y a d'autres façons de se faire entendre que de tuer les gens et faire de la merde. Juste une question hors RP. Il y en a pas quelqu'un qui avait la lecture de pensée? Si, à moi. Mais je sais pas quoi poser comme question et j'ai plus de pépé. Est-ce que son bras est ton père? Si, bah, c'est... si elle en est convaincue, elle dira oui. Ouais. Donc c'est est-ce une que... perte de... Est-ce que tu c'est as vrai, déjà vrai. Vu son bras? Est-ce qu'elle a déjà vu son bras? Comment en es-tu sûr? Quoique, non, ça... Elle va sûrement dire, je le sais, c'est tout. Ouais. Non. Est-ce qu'elle a déjà vu son bras? Si elle a déjà vu son bras, il y a une petite... Non, mais je sais que c'est lui. Quoi? Comment tu sais? Je le sais. Mais dis-nous pourquoi? Moi, je vais la reclaquer. T'es sorti d'un livre ou eh quoi? Eh bah, ben, je vais... Je vais me mettre au-dessus d'elle. Enfin, je vais faire en sorte qu'elle me regarde et je vais allumer ma corne et la regarder très méchamment en disant réponds. Est-ce que tu vas parler bien déjà? Bah réponds correctement. Tu réponds à dis-nous côté ou des réponses évasives? Tu réponds pas du coup. Dis-nous ce qu'on veut savoir parce que ta situation va pas avancer. Je le sais. C'est tout. Oui, donc tu ne le sais pas. Sinon, ce coup-là... Mais comment tu le sais? Pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà vu son bras? Ou est-ce que tu es sorti d'un non, livre? Je vais lui dire... Je vais lui demander... comment tu le sais? Simplement. Elle continue à dire je le sais, c'est tout. Non, mais par lecture de pensée. Ah. Voilà. Maintenant, tu vas parler. Alors, mais non, c'est alors, drôle parce que c'est... Tu vas trouver la solution et nous le dire. Non, mais elle... Elle en est convaincue, mais elle pourra pas te dire pourquoi. Super danger. Bah alors, ça veut dire qu'elle... C'est comme s'il manquait des choses dans sa tête. Moi, j'allais on lui a enlevé sa mémoire. Moi, j'allais proposer, on l'a convaincue, mais genre, contre son gré, entre... si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais on lui a enlevé sa mémoire. Et... Attends, du coup, je vais faire un autre truc. S'il manque des morceaux... Est-ce qu'elle sort d'un livre? Non. Je refais pas un jet? Non, je suis sympathique, je te le laisse avec ton gros jet. Et est-ce qu'on lui a enlevé la mémoire, du coup? Enfin, je peux le sentir qu'il manque des choses et que vraiment... qu'il y a une couille sans lui poser de questions? Tu ressens que en fait c'est... t'arrives pas à choper des réponses évidentes et où normalement justement bah, c'est facile de c'est 1 plus 1 = 2 là c'est plus comme si c'était 1 + 1 = D'accord. Mais du coup ce coup-là elle a déjà été dans l'esprit de Bright Hall au moment où elle avait pas sa mémoire. Oui mais ça c'est moi qui me suis fucked up. C'est-à-dire... Normalement, elle aurait pas dû donner le nom. Enfin, c'est moi qui me suis fucked up à ce moment-là. Non, mais pas donner le nom, on s'en fout. Mais le truc, c'est que là, elle doit pouvoir reconnaître
Oui, que, qu'il manque des cases. Elle doit pouvoir reconnaître que c'est la même chose, en fait. C'est pas la même chose, par contre. Du coup, elle fronce un peu les sourcils. Et elle dira... Il croit juste qu'on lui a enlevé des bouts de la mémoire ou une connerie comme ça, parce que c'est pas... Il lui manque des cases, à celle-là. Hein. Mais vraiment. Un objet qui lui appartient ? Il y a rien. Problème de mémoire, vous dites ? Oui. T'en sais quelque chose, oui. Parce que si tu sais, c'est maintenant que faut le dire. Hein. Non, je ne sais rien. Mais ça pourrait être un effet secondaire d'une trop grande exposition aux ombres. Ou d'une résurrection. Je ne pense pas. Mais qui te l'a dit que c'était son bras, ton père? Tu le sais juste? Il n'y a personne qui t'a poussé à dire que quelque chose... Enfin, t'as croisé personne? Tu le sais, c'est tout. Tu sais dire autre chose que je le sais, c'est tout? Non. C'est quelqu'un qui te l'a dit... Bon, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin que ça. Propose... je propose que on l'amène directement à l'Empire de Cristal. Mais... pour qu'elle amène les ombres et qu'elle foute la merde, oui, quelle bonne idée. Non, ouais, elle n'ira nulle part. Elle a plus de cornes. Elle peut rien faire. Ou sinon, on l'amène... On verra. Bon, bah faites-en ce que vous voulez. De toute façon... De toute façon, on sert à rien ici. Moi, elle va aller faire la fête avec ma famille. Je me souviens plus, Reine. Elle avait dit son nom ou pas? Non. Donne-lui un béni en plus pour Rito. Non. Oui, il le mérite. Là. Il le mérite. Pourquoi? J'ai pas entendu. Regarde l'image. Regarde l'image dans Stories. Je vais me mettre à côté de Rose. Ah oui. Silver, il va aller au niveau du cercle. Et du coup, c'est quoi ce cercle? On va te sacrifier au village. Bon, bah, elle va prendre un baillon, elle va baillonner la salope. Et on va fêter ça en faisant comme les libérateurs rouges. On va la brûler au centre. Vous avez pas d'autres questions à lui poser? Moi, je je la regarde, je prends un baillon. Enfin, je prends un baillon avec ma magie, je la regarde. Je la regarde. Attendez, ça sert à rien de la baïonner. Qui n'a pas utilisé de carte? Bah, Wood. Golden. Tu sais, j'ai penchant. Mais non, j'ai donné ma carte. Oui, je sais. Tu le veux? Oui, mais ça va servir à rien. Désolé. On peut l'utiliser pour le LOL. Moi, ça vous dirait de faire partie de notre polygamie? regarde, t'as plein de sens sur qui l'utiliser. Pour revenir ici, qu'on termine. Tu voulais proposer le baillon, elle le refusera puisque de toute façon elle va l'éloigner dans un coin et l'achever tranquillement. Bah non, moi j'allais encore lui poser des questions. J'ai plus vraiment envie de la tuer en fait. Pourquoi? Parce que visiblement c'est pas de son propre chef, visiblement on lui a fait quelque chose là, j'ai l'impression. Elle est corrompue par les ombres, il faut s'en débarrasser. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen? On n'a aucun moyen de la ramener. Mais comment vous savez les ombres? Mais s'il y a moyen de lui retrouver la mémoire? Non, on peut juste lui demander des trucs tout simples. Si vous avez moyen de lui retrouver la mémoire, vous pourrez lui demander comment les ombres arrivent. Bon, certes, elle les fait apparaître. Mais vous pourrez lui en demander plus sur l'origine de ces ombres. Elle les fait pas apparaître, elle a déjà expliqué. Oui, elle les tue. Elle les fait apparaître des gens des cadavres qui tuent. Des gens qui tuent. Moi, je pensais juste proposer que le perso. Il se met à voir, essayer de parler avec elle, mais juste de trucs. Un peu bête, quoi, genre... Donc, tu t'appelles ainsi, tu venais d'où, tu faisais quoi avant, ça, tu sais, j'ai juste...
le small talk pour voir éventuellement s'il n'y a pas un truc qui pourrait ressortir du genre, ah oui, un jour j'ai rencontré un tel qui était bizarre. Bah, vu comment vous lui avez parlé, elle va juste t'envoyer chier. Ah mais moi je lui avais pas vraiment parlé, hein, c'est les autres qui lui ont parlé. Oui mais elle est vénère, elle est full vénère. C'est pas grave, de toute façon on doit faire quoi Bah tu juste, amoureux comme ça, elle s'adoucit. Bah c'est je pense à faire ça mais... On pourrait essayer mais... J'ai l'impression d'être celui qui gaspille tout le temps les penchants amoureux. Ça dépend, est-ce que ça sert à quelque chose, MJ, franchement? Non, très honnêtement, non. Ah. J'avais envie d'essayer, mais... Tant pis. Tant bien même, on peut pas la tuer je comme ça. Comprendre... Je peux comprendre votre réticence, mais je vais vous montrer quelque chose. Et c'est quoi ce truc? C'est-à-dire... Que vous compreniez les choses comme, comme une... Que vous compreniez bien les choses. Elle va lui tendre le cou. Donc, clamser direct, forcément. Ah ok, bah... Mais en l'espace de quelques secondes, le corps va se réveiller tout seul et en mode tentaculaire et tout le bordel. Avant de bah, lui écraser finalement la gueule avec un sabot illuminé de magie. Avant que ça n'empire la situation. Okay. Oui, donc c'était juste une ombre en devenir, quoi. Mais elle aurait pu juste nous le dire dès le début que c'était un corps manipulé par une ombre ou un truc dans ce genre-là. Ah, vous auriez pu nous le dire. Ça ne servait à rien de la questionner, du coup. Parfois, les mots me manquent, navré. Le MJ oublié. Oui, non, c'est pas tant qu'il a oublié, c'est qu'elle, elle le sentait, c'est juste que j'avais oublié de la fatigue, j'oublie des trucs. Cette perte de temps. C'est pas grave, non mais c'est la fatigue. Bah après, c'est vous qui vouliez poser des questions, donc elle vous a laissé faire. Non mais mec... Bah vous avez insisté pour poser des questions et qu'elle s'en mêle pas, elle a juste attendu. Mais si tu veux poser des questions, Claude a déjà les réponses, elle les donne, puis c'est tout. Bah vu comment vous l'avez envoyé chier, elle a juste attendu. Vous lui avez pas demandé. Mais elle avait qu'à pas bouder. C'est vrai qu'on l'a envoyé chez. Silver, il va regarder le cercle, il va regarder ce coup-là, il va faire... Il se passe quoi? Bah, c'est on la va fête. Sacrifier. On va te sacrifier au centre. Ok. Ah là, on meurt pas, hein. Bah non, mais je suis censé me placer où? Mets toute place où tu veux. Il y en a pas une de mes cousines et de mes copines qui t'intéresse? Est-ce que je peux utiliser penchant amoureux comme si on utilisait le truc renommé, c'est-à-dire penchant amoureux sur tout le monde? Non. Pour Silver. Quoi? Bon bah va à côté de Rose. Comment s'appelle elle déjà? Je sais plus. Laquelle? Celle-là. Attends. School Dream. School Dream, pose-toi. On dirait qu'elle a une moustache. Ok. C'est sa bouche. C'est pas, j'ai l'impression que c'est une moustache à cause du masque. Allez. Ok. Oh là là. Le Silver en mode bon, ok, d'accord. Non, pas à côté de lui. Elle se mettra entre vous deux. Ok. Ce coup-là avec son prince servant. J'utilise penchant amoureux sur Onyx, je lui vole. Gnas Luminari, elle laisse le cadavre ici, quoi. Elle a cru... Non, elle l'a emporté. Elle a disparu. Elle est où, d'ailleurs? Bah, c'est marrant. Plus loin. Ah, d'accord. Pour ceux qui ont refait attention, elle aurait touché 2-3 mots à Purple avant de se barrer. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui aurait dit? Ça, vous l'avez juste vu. Rien entendu. J'utilise penchant amoureux sur Onyx pour le voler à... À ce coup-là. Non, c'est quoi. En vrai, j'utilise penchant amoureux sur Purple. Mais tu peux pas. Mais tu ne peux pas, tu as utilisé des cartes. J'utilise renfort. C'est plus un combat. Je vais pas utiliser la carte en mode random.
Bah, vous êtes nul. Ou alors j'utilise ce ragad, bah, il n'y a aucune logique là. Il n'y a pas de logique. Oui, mais comme ma carte a servi à rien puisque me j'ai oublié la moitié des règles, je pourrais bénéficier de la deuxième carte. Alors, ta carte a servi, excuse-moi. Non. Je peux pas utiliser penchant non. heureux sur ta mère. Quoi? Laquelle? Sylvain, bref. Il va se pencher vers Rose et faire... On est censé faire quoi, là? On va danser Bah, il y aura une petite fête qui se préparera, en gros. Déjà, une fête pour commémorer tous les morts qu'il y a pu avoir. Ouais, alors, par contre... La fête des morts du village, c'est vraiment une fête, du coup. Je le dis pour les autres. Donc, on va chanter, on va danser, on va offrir des... Comme le truc que t'as fait au niveau de la loma. Comme ce que t'as fait avec Karing. Mais et plus, ça sera une fête plus parce que c'est aussi l'anniversaire de ce coup-là. Oui. Et en plus, on fête le fait que la grognasse soit partie. Et durant cette fête, Fizel va t'offrir un petit cadeau. Juste, excuse-moi, on note que ce connard, il s'est invité. Non, c'est pas il s'est invité, c'est il a été invité. Ouais, mais moi, je l'invite pas à mon anniversaire, hein. Mais les autres... Mais il faut qu'ils gardent un œil sur Gabriel et t'as invité Gabriel. Ouais, c'est vrai. C'est bien parce qu'il y a Gabriel. Hein. Par contre, s'il ouvre la bouche, il se prend une tarte. Mais une vraie tarte. C'est pour ça qu'il y a Fizzle, c'est pour aller entre les deux. Cochonne. J'utilise son penchant amoureux sur Gabriel. Mais quoi? Arrête avec ton penchant amoureux. J'utilise penchant... Utilise penchant amoureux sur le puits. Mais à chaque fois que je peux l'utiliser, il y a bref, jamais l'occasion. Bref, donc, en soi, tout le monde s'amusera bien. Purple aura eu du mal un petit peu à s'intégrer, mais finalement, il y en aura quelques-uns qui sera venu vers lui pour discuter un petit peu et il se sera décrispé un petit peu. Tout le monde se sera bien éclaté. Il y en a deux qui auront essayé de se rapprocher de Silver. Les jumelles. Ça m'étonne pas, c'est des cochons. Silver, qui sont en mode... Ru, est-ce que je peux dire la petite info sur ces jumelles ou pas? Je m'en souviens plus de l'info, donc vas-y. Bien, écoutez, vous avez ici les descendants de... Ah, cette info-là. De... comment il s'appelait? Tango. Et des enfants de Storm et Zima. Voilà. Ah. Descendants de Lollipop. Quoi? Ah ben, si c'est le descendant de Tango, c'est le descendant de Lollipop. Oui. Aussi. Oui, oui. Alors, il fallait que je regarde justement si c'était bien ça. Il me semble que c'était ce qu'on avait dit. Alors, c'est loin, hein, mais voilà. Oui, enfin, sur 100 ans, il y a 3 ou 4 générations, quoi. Ah merde, je me suis pas connecté avec le bon compte. Il me semble que c'était ça. C'est pas non plus exceptionnellement long. Et Silver, avec les deux qui sont bon, présents, il va être en mode... Voilà. Les deux qui sont levés contre les deux Silver. Qui parlent à l'unisson en plus en mode... Hola, c'est quoi, t'aimes pas tes noms? Je t'offre penchant amoureux, Silver. Ouais, non, tu peux plus l'utiliser. T'en vas danser. Alors attends, parce que je... Tu préfères Zambra ou Sardana? Quoi? On peut danser à trois, y a pas de problème. Le Silver, il va être en mode... Ah, puis je pense qu'elles sont un peu entreprenantes, alors bon courage. Hein. Alors oui, c'est ça, c'est... il va chercher un truc de sortie. Alors, flamenco... Non, flamenco, c'était avec Thunder Up, et elle avait eu Black Cider, Rare Drink, tout le bordel, mais non, c'est pas eux les descendants de flamenco. Bah alors, c'était qui? On avait pas lié. Ah, t'avais dit Tango. C'était pas. Ah oui, pas... Tango. Mais Tango, je l'ai pas. Mais Tango, c'est le père de flamenco. Oui. Ouais, bah du coup non. Ah non, donc. Ça... Mais je pense que ça doit être d'autres descendants parce qu'il y a eu des frères et sœurs, je pense, du côté de flamenco très certainement et que j'ai pas noté. Ah bah bravo. Oui, mais il me semble, hein, parce que Bolero et tout. Mais oui, Bolero, etc. Oui, c'est bien de Tango.
Donc c'est pas Flamenco, c'est l'autre. Il avait un jumeau et une... Ils avaient une fille aussi. C'est... Oui, c'est ça. Je sais plus. Il y a eu Flamenco, il y avait Salsa. Et il y avait Salsa et son jumeau. Donc ils ont... C'est les descendants de... De Lollipop et Tango. Tango. Silver, du coup, il va se laisser un peu entraîner dans la danse par les deux. En mode, je fais quoi? Eh bah, ton danse, crétin. Oui, bah, enfin, il se laisse entraîner, tu vois, mais il est en mode gros balourd de ce côté-là, quoi. Il sait pas. T'inquiète, elles vont danser pour toi. Oh, c'est, oui. C'est bien ça, le problème. Et vous danserez, bah, peut-être pas toute la nuit parce qu'il fera pas nuit. Ce coup-là, elle dansera avec Gabriel, avec lui, avec Wood, avec. Tout le monde aura eu le droit à un petit masque, même, même Purple. Ok, mais Wood il aura pas osé danser. Bah si, moi je danse. Silver, hein. Silver, ils vont devoir utiliser 3 okay. doses de teinture. Ouais, ils ont le stock, t'inquiète. Et du coup, Fizzle, tu voulais me dire un truc? Ouais, petit cadeau de Fizzle à Skoula pour son anniversaire. Mmh. Un petit bracelet de fleurs qui est assorti à ses yeux. Oh, c'est trop mignon. Et normalement, les fleurs ne devraient pas faner. Écoute, merci. S'il a eu l'occasion... Wood, genre quand on était en ville Wood, il aura acheté un peigne, tu sais, très, très bonne facture et tout. Mm-hmm. Il avait pas d'idée. J'avais pas d'idée, mais vu que tu prends soin de tes cheveux, je me suis dit, je vais prendre un truc qui va bien. Un shampoing. Un shampoing et un peigne, mais c'est vraiment un truc joli quoi. Un peigne pour se brosser ou un peigne pour faire des coiffures? Ah, je sais pas, j'ai aucune idée, c'est quoi la différence? Pour se brosser les cheveux et pour se faire des coiffures, c'est... des épingles comme Mulan met dans ses cheveux, tu vois. Bah c'est quoi un set? Il t'a acheté un set pour se brosser et faire des coiffures. D'accord. Plus ou moins? Je sais pas. Oscar choisit. Plus. Vas-y Oscar, choisis. J'ai entendu le plus en premier. Ah. Ok. Oscar aussi plus. Hop. Qu'est-ce que ça va être? Je vais pas dire moi, Oscar. Non, je plaisante. Ah, c'est les dés qu'on choisit. Ok. Attends, donc du coup. Qu'est-ce que ça va être si ça va la soirée avec ça. Avec ça. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que j'aie une conversation avec Feather. Oh! Coucou, Feather. C'est quoi ça? Bah c'est School Wonderful. Lui il veut passer du temps avec Fizzle. Il est trop beau en plus. Ah. Moi y'a personne qui veut passer du temps. C'est School Wonderful. Silver il se sera excusé aussi auprès de Skoola en mode j'ai pas pu t'acheter quelque chose, je suis désolé. Ah mais toi t'en as fait un câlin et ça s'en fait là. Ouais il fait un câlin quand même. Oui il y a un câlin. Aussi, avant de se faire entraîner par les deux autres. Ah! Prends soin de mes cousines! À l'aide! Il y a bien une dame qui va danser avec Wood. Hein. Oui, je suis en train de chercher. Bah, en vrai, ma mère, elle peut danser avec. Hein. Laquelle? Je pensais à elle parce qu'elle est classe. Oui, bah, elle c'est ma classe. Mère aussi. C'est la mère de Rose, elle, biologique. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous déplace avec ceux qui dansent. School White. Silver, il va être. Bah, il aura dansé vu que bah, il a eu la confiance grâce à Skoola qu'il l'a fait danser. Et vraiment, j'imagine le Chad face à Fiddle, moi, c'est. Ah school. Oui, non mais il va te faire tournoyer, Fiddle. Hein. Non, jette performance. Imagine, il fait un fumble. Non, il va faire 80, laisse tomber. Attends, je veux juste voir la gueule qu'il a en grand écran. Mais il est beau. Je relance. Mais justement, je veux voir la tête qu'il a. Ça va falloir que je vous mette. Je vous mettrai les fiches plus tard parce que. Est-ce que tu peux nous mettre le token de School Wonderful dans Stories?
de son image complète. Tu as mis du rouge aux joues. Mais bien sûr. Ah oui, d'accord. Effectivement, il a une sacrée classe. Alors, du coup, ce coup-là, il y a Onyx qui t'aura invité à danser. Bah, bien sûr. Cool, Zambra et Sardana. Ok. Alors. Ok. Oh. Ok. Ah, mais ce mec est horrible. Il me perturbe. Donc le gars sur le gif de Loki. Mais c'est le Chad. Bah, il est pas beau. C'est un donc, peu ça passera plus que bien. On peut sauter jusqu'à la conversation avec Phaser. Bah, je pense pas que ça intéresse les autres. Ça peut être intéressant. Et qu'on se le fasse en... Phaser, elle va pas savoir où se mettre. Ok. De toute façon, c'est la même chose pour Silver. Est-ce que vous alcoolisez un petit peu? Oui. Un peu, mais... Vous, non. Genre un verre ou deux, pas plus. Ah non, okay. Mais si tu bois pas, papy, elle va te dire tu bois, c'est mon anniversaire. Mais... Tends-moi, mais ton pas la fête. Mais je veux pas être malade. Mais on peut faire la fête sans vous. Malade, regarde, c'est je vais vous envoyer des MP à tous, qui concernera la fin de la fête. Comment ça s'appelle l'espèce de... C'est pas du punch? Punch. Sangria. Oui. Voilà. La sangria, ouais. Ah ouais, bah un petit peu. Genre un verre. Voilà, c'est pour goûter. Juste pour trinquer, tu vois. Silver, il va prendre deux verres. Parce on que est, c'était un peu loin pour danser. Les deux. Parce que deux verres pour deux jolies demoiselles. Bah, je pense surtout que les deux vont lui proposer et qu'il aura pas le cœur de refuser à l'une et pas à l'autre, en fait. Déjà qu'il sait pas où se mettre. Rosette danse avec qui? Avec qui lui donne. Oh. Avec Purple. Oh putain. Je suis désolé, mais son masque à elle me fait flipper. Ouais, il est pas... Mais du coup, et en plus, le truc qui est rigolo, c'est qu'il n'y a même pas de gens qui essayent de piquer les partenaires des autres et tout, en mode « Échangez vos partenaires !» C'est rigolo. Vu la taille du groupe, tu vois, je m'imaginais qu'il y aurait des trucs comme ça, mais non. Bon, non. Je pense que papa, il va danser avec ses deux autres femmes, vu que Wood lui en a volé une. Cochon, oh là. Voilà, c'est elle qui est venue. Cochon. Mais... Je veux savoir. Attends. Sinon, t'as posé la question tout à l'heure si Fizzle, elle allait, enfin si ça allait boire. Je pense que Fizzle va boire petit à petit. Mais plus la fête va continuer, plus elle va se laisser aller. Elle va se faire soulever. Oh putain. Moi, je me. On est d'accord, juste un verre, mon perso, il va pas finir mort bourré et se réveiller au lit avec quelqu'un. Non. Mais non, mais de toute façon, personne va te soulever, enfin, t'as 72 ans. Et alors les fétiches, ça serait... il y en a. Bah, ce sera pas par ma mère en tout cas. Quoique... Ah non. Moi, j'aime beaucoup les vieux. Oh non. Non, je plaisante. Et là, c'est Phaser qui va le draguer. Tout le monde a droit au plaisir. Mais ils ont beaucoup d'expérience. Les études le montrent, les vieux c'est les plus gros cochons. Oui. Surtout en plus, vous avez dit que vous avez combien de gosses? Combien d'enfants? 7. Ouais. Eh ben dis donc, il doit être expérience, il doit avoir beaucoup d'expérience. Ah bah ça. Ah bah oui. Un cochon bon. Ou à la cravache. Je vais lancer un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Eh merde! Tu l'as mis enceinte. C'est ta taille de bite? Non, mais non, il l'a déjà fait, il avait fait 20. C'est un 20. Non, bah c'est du coup, c'est j'avais décidé. Et du coup, Ren, oui, il va se laisser faire un peu. Faire. Cochon. Il en fallait deux, c'est ça? Parce que c'était pas assez. Non, ouais. C'est plutôt qu'il a bu et puis en plus, il se laisse un peu emporter, quoi. Gourmand. Oh, le cochon. Gourmand. Ah, et c'est pas lui qui a commencé, hein. Lui s'est laissé emporter à la base.
Ah d'accord. Pourquoi? Dois-je te rappeler pourquoi? Oui. Je sais pas, un petit penchant amoureux. Oui. Devant. Oui, bah d'ailleurs, les autres perceptions. Perception. Avant de partir. Ça de... sera pendant la fête, ça. On entend le cri de Fizzle de... sera. Oh. Ce coup la mort, c'était pas la peine. Hein, de quoi? Mais... c'était pas la peine pour toi parce que c'est toi que ça concerne. Mais oh, je... Moi, je suis trop occupé. J'ai pas fait un jet de perception, j'ai fait un jet d'âme, Ruru. Ah. Pour savoir comment. Pardon. J'ai... Wood. Il y a ce coup-là qui se fait embrasser par Onyx. Ah, voleur. Ah non, il rigole juste. Je réfléchis à ma réaction. Et juste, j'imagine la réaction du père. Oh bah, elle perd pas de temps, ma fille. Reine. Ouais. Plus ou moins. Moins. Yes. Ok. Je t'envoie. Vivement le 24 octobre pour que je te puisse te balancer sans que t'aies demandé de... Pardon. Quoi? Non, c'est pas le 24 octobre, c'était le 21, je crois. La journée mondiale du lancer de petites personnes. What? Où tu peux lancer des personnes en dessous d'un mètre 62 sans avoir besoin de demander d'autorisation. Non, mais ça va pas. C'est moi qui avais partagé. Yit. C'est pas parce qu'on est petit que vous pouvez faire n'importe quoi avec nos corps. Bon, bah je vais avoir des dessins à lancer, moi. Oh. Oh. Kiken. Bah, Wood. À part oui. Wood. Non, mais Wood, il a soulevé tout le monde. Il a soulevé toutes mes mères. 7 enfants à chacune de tes mères. D'accord. Oh putain la vache. On va m'appeler papa. On va se calmer. Hein. Je pense que t'es rire. Je suis parti là. Ça va trop loin. Bon j'aime bien, lâche-toi, continue. En fait je sais pas quoi faire. Bah... Allez, salut vous. Pour répondre. Voilà. Mais la vraie question, c'est j'ai mis penchant amoureux sur Onyx, donc Onyx est amoureux de Skoula, mais est-ce que Skoula est amoureuse d'Onyx? Là est la question. Bon, bah on va faire comme les autres, plus ou moins? Moins. Moins. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Vas-y. Oh yes. 21, parfait. Blackjack. Ah, pour une fois, c'est pas moi qui l'ai fait cette blague. Donc pour ceux qui ont perçu, c'est-à-dire bah Wood. Au début, elle fait rien, elle a l'air en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que quoi, pourquoi, comment, où, comment je m'appelle. Elle rougit sous sa tentoure. Puis elle lui rend son baiser. Oh, oh. Maman brille sous le... Bon anniversaire. Ah bah c'est pas cher comme cadeau. Je vais te montrer un plus gros cadeau. Oh. Golden va te coucher. Je suis fatigué. Je ah ouais mais j'ai... Ça tourne 2 heures, c'est vrai, on va peut-être abréger. Ah mais c'est génial quand il est fatigué lui. Soit fatigué non, plus c'est comme si j'étais brûlé. C'est horrible. Je comprends. Et du coup, je vais avoir droit de... toi, bah, elle dansera juste très sympa, très gentiment, sans arrière-pensée. Et pareil, bah, en gros, tu vas danser un peu avec toutes les mères de ce coup-là et toutes et les tantes. Et elle, elle veut pas le draguer. C'est la grand-mère. Agathe, je sais que tu aimes les vieux, ça se voit dans ton regard de cochonne. J'avais dit que je pensais utiliser le penchant amoureux sur Agathe, mais ça fait aucun sens, donc je l'ai pas fait. On s'en fout, fais-le. Non, j'ai pas... Pourquoi ça fait aucun sens? Ben, parce que ben, j'ai jamais parlé avec. Ben, pas forcément Agathe, mais. Et c'est qui? Pourquoi elle? C'est qui? Moi, je sais pas, je sais plus. Mais je l'aime bien. La grand-mère? Non.
Oh, j'ai pas de grand-mère, tiens. Pour les fins de soirée, je vais vous demander des jets de perception pour tout le monde. Prends en compte que j'ai raté étant donné qu'elle a un peu vu. Non, non, t'inquiète. Parce que tu vas le tilter. Et toi aussi, Silver. Ah, attends. Non, mais il est pris dans son sandwich, lui. Oui. Alors, Silver, c'est bien d'être la saucisse du hot dog ? Oh putain, sérieusement, quoi ? D'être le bon morceau de viande du hamburger. En fin de soirée, tous ceux qui ont réussi, soit Wood et Fizzle, vous remarquerez que... Et oui, bah du coup, tout le monde sauf Silver. Vous remarquerez du coup que Silver se fait embarquer dans une chambre avec les deux jumelles. Ah, d'accord. Uh-huh. Mais que Fizzle, elle, se fait porter telle une princesse par Wonderful. Ok. Ah bah, ça va, Ken. Mais y'en a, ils sont rapides, hein. Et c'est au moment... Ça, c'est vraiment en fin de soirée quand tout le monde va dans leur chambre. Et Rose et lui. Mais justement, plus ou moins. Non. Moins. Bon, j'ai ouvert. Non, j'ai ouvert. Non, ça ira. Oh, bah plus alors. Oh. Bon, c'est le seul à pas. Juste un moment, Rose qui ira voir sa sœur et tu le soulèves pas, lui. Ok. On va voir qui. Ah! Fazer. Il est à moi! Il faudrait que j'aille lui parler aussi. J'irai pendant la soirée, je pense. D'ailleurs, Ren, question. Hein? Il a combien sur son dévast? Oh putain. Mais moi, je tire pas les dés, moi. C'est un Tchad. Il a 21. Il va voir. Il en a une parfaite pour toi. What? C'est comme Gladius, il a 20. Comme si elle avait été moulée pour toi. Mon dieu! Ren, c'est comme Gladius, il a un 20 plus 1. Yes. Alors. Ça, c'est une idée de dessin que j'avais pour le long. Club des 20, aucune explication. Tu mets juste Silver, Earth et Gladius. Alors, donc. Est-ce que je lance les dés maintenant? Alors... Oh god... Voyons ça... Pascal qui était le plus proche de la vérité. La clé a la forme parfaite pour ta série. Oh purée... Oh mon dieu, j'ai peur de savoir pourquoi il roll. Bah pour savoir si t'es enceinte. Aussi les jumelles sont enceintes. Hein, petit cochon. Oh la vache. Vous avez qu'à mettre des capotes. Alors. Ceci n'était pas prévu dans le contrat. Elle a quel âge, Fizzle ? Oh non. Fizzle ? Elle a 21 ans. Okay. Ce coup-là, est-ce qu'il va se passer des choses avec Onyx ? Je sais pas. Ça dépend. Parce qu'un peu torché, il se montrera peut-être un peu entreprenant. Bah là je t'avoue que je sais pas et on le jouera si tu veux mais là je... Ok, on verra ça plus tard. Je suis trop dans le cul là. Bah ça sera une fin de session du coup messieurs dames. Comme on a pougné, on peut avoir un avance. Non, vous l'avez eu la session dernière. Oui mais bon... Oui. Cool. En vrai, si on peut rester quelques jours à la Cité del Sol, s'ils sont oui, d'accord... Oui, voilà. Ouais. Et garder le penchant amoureux pour plus tard. Mais non, mais tu l'as joué sur Agathe. Mais non. Tu veux la jouer sur Rose? Mais non, je vais la jouer sur personne. Oh. Tant pis. Parce que ça fait pas... Moi, ça fait pas sens. J'aime pas l'idée de me dire que je vais utiliser penchant amoureux et juste pour que le personnage soit amoureux et après, il est triste parce que mon perso, il le rend pas, quoi.
Fever aussi détendu la quenouille. Oh putain. Oh, c'est... Du coup, j'éteins l'enregistrement sur cette bonne bête. Ouais, sur cette bonne blague de... Fever.